إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Euh, bienvenue dans ce nouveau live. Euh, avec euh, en compagnie de Sheikh Mahmoud wa le récompense par le meilleur, qui est revenu parmi nous. Alhamdulillah, après ce voyage euh, et ce hajj qu'on espère, inshallah, accepter. Euh, on c'est avec un grand plaisir. Il nous a beaucoup manqué. Quoi, on profite, pendant ce, ce dernier, dernier live de la série sur la Sunnah, inshallah, pour effectivement l'avoir avec nous. Et, et, euh, et profiter de sa sagesse et de, de sa science car l'élève en degré lui accorde de la sincérité dans les paroles et dans euh, les actes et à nous tous. Euh, on, a, on a vu l'importance de la, de la sunna, effectivement au travers de ces cours. L'idée c'est que on voit la sunna d'un autre œil et effectivement le plus important c'est qu'on mette en avant les efforts qui ont été déployés par nos, par nos ulamas et les érudits pour le service de la sunna, euh, pour mettre en avant effectivement la sunna du prophète qui est un pilier de, de notre religion et de, de, est une des sources principales et avec le Coran, une source principale de la législation, c'est important de redonner sa vraie place à la sunna et voir effectivement comment cette sunna a été transmise comment elle a été enregistrée et, histoire, et son histoire qui est extrêmement riche aujourd'hui, on voit de la sunna parfois que, que la surface mais on ne voit pas tout ce qui, tout ce qui a tout ce qu'il y a derrière, comme travail, comme effort, comme, on va dire, comme sang, et, et sueur derrière, qui ont été déployés par les sahaba qu'Allah, les a par ceux qui ont succédé jusqu'au, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, la sunna du prophète, alayhi continue à être au centre de l'intérêt des musulmans, de façon générale, et des savants. En tout cas, je laisserai Cheikh, inshallah, en moins revenir, effectivement, nous faire une, Petite, un petit mot d'introduction, Inch'Allah, parce que ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas eu parmi nous. Bismillah, wa salatu, salam, Le plaisir de partager, Alhamdulillah, ouais, vraiment. vraiment partager avec notamment nos frères et sœurs que j'ai rencontrés, qui posent le salam, très heureux d'être de cette belle famille qu'Allah a voulu Donc, faire de nous, cette communauté, belle communauté, s'il en est et puis de cette euh, des gens qui suivent donc euh, ces, ces efforts vis-à-vis euh, -vis de, de la diffusion et ils en étaient très heureux ont pris Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit un bon signe pour nous c'est qu'il soit une acceptation, un signe d'acceptation dans ce monde avant le delà donc j'ai rencontré des sœurs et des frères et que je ne saurais ici euh, nommer de différents horizons Mais vraiment ça c'était un vrai plaisir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur hajj et facilite également le, son adoration à ceux euh, qui le désirent sincèrement, sa satisfaction, donc qu'ils aient les moyens ou pas. Et alhamdoulilah, le hajj n'est pas une obligation, il faudrait consoler quand même les autres. Pour celui, il n'est une obligation que pour celui qui a les moyens. Et Allah sait qui a les moyens. Mais c'est une très très belle expérience sur laquelle nous reviendrons, inshallah, donc euh, au cours de certains lives. Ensuite, euh, comme tu dis, Mohamed fik je pense que si on savait, euh, si on savait la, le bonheur... Euh, qu'il y a dans la conservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on appelle, qu qu appelle sunna Je ne vais pas revenir du tout sur ce que vous avez très bien fait en mon absence. C'est souvent les des musulmans, ce n'est que la sunna. Par exemple, pendant exemple, temps, ce n'est que la sunna, redisant la sunna à, son plus, à sa plus simple expression. Alors que ce n'est pas du tout ça. La sunna, c'est le fondement même donc de l'islam, dans la mesure où Allah a voulu, donc subhanahu wa ta'ala, euh, comme l'a dit le prophète lors de son dernier pèlerinage, hein, je vous laisse deux choses, si vous y accrochez, jamais vous ne connaîtrez la perdition, le livre d'Allah et ma sunna. Donc c'est toute une, c'est pas toute une école, c la sunna c'est un ensemble, un ensemble donc de choses parmi lesquelles il y a des choses qui sont obligatoires, et parce que souvent quand on entend ces sunna, ça veut dire que c'est pas obligatoire, c'est bien de le faire. Alors que bon, vous en avez parlé, il y a différentes catégories, il y a des choses mm. qui sont obligatoires, qui sont fortement recommandées. Ne serait-ce que par pudeur le fait de savoir que c'est ce que Allah aime, on n'a pas nous à être là en train de dire euh, Oui, ça c'est pas important. Mm. Parce que si ce n'était pas important, Allah ne nous aurait pas envoyé le meilleur des hommes pour nous enseigner de ce que lui il aime, lui qui n'a besoin de personne. Donc je pense que c'est vraiment un manque quand on entend quelqu'un dire non c'est la sunna ou ça ce sont les gens de la sunna comme on entend malheureusement dans certaines dans certaines contrées ou même dans certaines de nos villes et entre les frères et les sœurs je pense que c'est vraiment un manque de pudeur parce qu'Allah a choisi le meilleur des hommes accompagné par les meilleurs des hommes pour nous laisser la meilleure des religions la forme en tout cas qu'il a donc je pense que on doit quand on parle de la sunna on dit qu'il imam Ali qu'Allah fasse miséricorde quand il prenait un hadith quand on venait l'interroger il, euh, sur un hadith, puisqu'il fait partie de ces hommes Allah a honorés dans ce bas monde, qui leur accorde le paradis et son agrément, on dit que quand on l'interrogeait sur un hadith, il se levait, il demandait à, l à celui qui interrogeait de, de, de l'attendre, qu'il allait prendre la, les grandes ablutions, qu'il allait porter ses meilleurs habits, porter, euh, se parfumer, et ensuite dire voilà ce que j'ai entendu de, de Nafia qui a entendu, d'Ibn Omar qui a entendu du professeur, parce que c'est pas qu'on parle d'Allah, on parle de sa religion. Donc c'est pas quelque chose de, de simple. Donc Allah euh, se disait euh, Je n'aimais pas, pas la courge. Mais dès que j'ai vu le professeur Salam en train de le manger, je l'ai aimé. Voilà. Donc on ne peut pas comparer des, des chevaux aux ânes, quoi c'est pas possible. On ne sait pas vraiment la richesse et la chance que nous avons, nous, d'avoir tout mâché. Et tout machin, on est des consommateurs, mais on ne sait même pas d'où viennent les choses. C'est pour cela que je pense que vraiment que c'est là, cette série de live, que euh, qu'Allah nous en fasse profiter, mmh. c'est quelque chose d'extrêmement important de savoir que ce n'est pas, contrairement aux Coranistes dont vous avez un peu parlé, et d'autres qui, pendant que on, on prend le Coran, on le laisse Si tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Voilà. Si tu savais la sunna, tu t'y accrocherais. On fait dire Malik, quand qu'elle fasse miséricorde, la sunna c'est l'arche de Noé. La soudna, c'est Celui qui monte est sauvé. Celui qui mm -hmm. ne veut pas, celui-là, il est perdu. Celui qui n'y monte pas est perdu. Il ne s'agit pas d'une façon de s'habiller, d'une façon de parler, d'une façon de prétention Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit mm -hmm. d'un comportement, d'un respect, d'une connaissance donc, qui amène nécessairement au respect et au bon comportement. Donc c'est tout cela. Et ce que vous avez également dit, c'est tous ces efforts de ces hommes euh, qui, pour que Allah, qui n'a besoin de rien, nous conserve ce qu'il y a d'aussi précieux. Et comme je dis parfois, je n'ai pas vu une science humaine, entre guillemets, aussi détaillée, aussi précise que la science du hadith. Et ça, je pense que malheureusement, on ne pense pas, oui, ce sont des hommes comme nous, non. Et, et c'est des hommes. Nous, on est. je ne sais pas comment il faut nous qualifier. C'est vraiment des gens qui prenaient, qui ont donné, comme je dis, sur sang, pour aller vérifier ne serait-ce qu'un seul hadith. Voilà, ce qui n'est pas notre cas, on ne prend même pas de nous dans ces, dans, dans ces moments de réseaux sociaux euh, où on n'entend que des choses euh, qui, qui n'ont aucun fondement. C'est des gens qui étaient tellement précis parce qu'ils craignaient Allah, à partir du hadith du prophète wasallam qui dit celui qui ment sur moi mais non, le mensonge sur moi n'est pas équivalent, ce pas un mensonge ordinaire, bien que le mensonge ordinaire soit grave, mais ce n'est pas un mensonge ordinaire. Celui qui ment sciemment sur moi, qui réserve sa place en enfer, comme on réserverait un hôtel. C'est quelque chose d'assuré. Et donc, c'était des gens qui craignaient Allah et qui vérifiaient les mots, qui les vérifiaient de, des gens de qui ils prenaient. Quand on comprend tout ça, on se dit nous, on a euh, est sur un plateau d'or. Et malgré ce plateau d'or, bien sûr, on le repose du pied et on va chercher ailleurs. Donc, ça, je pense vraiment que c'est très important. J'espère que euh, Allah a fait profiter les gens qui ont pu euh, assister à cette série et puis d'autres pour vraiment respecter ces gens qui ont donné leur vie, qui ont donné leur bien pour que euh, Allah subhanahu wa ta'ala les utilise et utilise donc euh, ces, ces gens pour nous enseigner. Et donc également pour les honorer, pour les remercier, hein, parce que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, comme l'a dit le professeur sallam Et donc ne pas reconnaître leurs efforts et leur supériorité, je dirais, c'est certainement se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc tout ceci, c'était une... Longue, longue introduction, mais pour dire c'est extrêmement, mais vraiment, si on savait la, 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 la chance qu'on a, entre guillemets, si on peut parler de chance, que euh, qu'Allah nous accorde, certainement on aurait été beaucoup plus, euh, plus reconnaissants. Et effectivement, on est a, on a, on a, on a arrivé à peu près dans les discussions jusqu'à jusqu peu près au 4 siècle. On avait vu euh, l'âge d'or de, de la compilation de la Sunna et on a vu effectivement... Que ça s'est concentré, il a à un moment euh, à peu près un siècle où il y, y a eu les plus grands ulama, les plus grands, euh, les plus grands érudits effectivement qui nous ont transmis la Sunna, savoir le Bukhari, muslim, Abu Daoud, euh, Tirmidhi, Nasa ibn Majah, Tous, ils ont vécu à peu près au même moment. Qu'Allah il les récompenses par le meilleur. Et c'est là, on a vu effectivement l'apogée la, dans la sens du hadith. Euh, et... Euh, je rappelle juste une, une petite la, la question qu'on a qu'on a qu'on a évoquée, pardon, on a posé la semaine, je pas la semaine dernière ou la semaine d'avant. Euh, il y a une question effectivement qui est destinée à nos à nos, à nos téléspectateurs. Euh, quelle est quelle est la la personnalité euh, le, le savant érudit qui a véritablement compilé la Sunna du Prophète wassalam, de façon très large sous l'initiative, pardon. Avec lui, pardon, sous l'égide Omar ibn Abdelaziz, qui a effectivement lui a demandé de compiler la sunna du Prophète. Euh, juste pour vous aider, il y a quelqu'un qui, qui a dit que c'était l'imam Malik. Non, ce n'est pas l'imam Malik, qu'Allah qui a écrit le Mu'atta, qui fait partie des premiers livres, même si ce n'est pas le premier à avoir écrit, mais c'est un des premiers livres bien organisés qui a établi les fondements de de de, de l'école Malikite, c'est son effectivement son maître, son shaykh, Charles euh, Latiala. Si voilà si vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas à nous appeler, Charles Latiala. Après le après la fin du du live Benny Latiala, il a le livre effectivement que j'avais j'ai oublié de le prendre, mais le on va on va Charles Latiala, on va le on va le rapporter tout 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 à l'heure, Charles Latiala. Du coup, Hamdulillah après ce après ce siècle effectivement qui est l'apogée, il a et là, je dors, les, les ulamas, ils ont continué en fait ce travail-là, ce travail de compiler les hadiths et de réorganiser dans des, dans des compilations. Euh, et on connaît ceux qui ont suivi le, le, le ce qu'a fait les euh, mêmes ce qui va fait les Bukhari, les Muslim de ne sélectionner que les hadiths qui étaient authentiques. Parmi ceux-là, ceux, ceux qu'on connaît le plus, si on connaît, il y en a à peu près quatre. Il y a sahib Ibn taala il y a sahib Ibn Hibban. Euh, il y a saphir Ibn second et le mustadrak al hakim effectivement ça c'est quatre livres là les trois qui sont extrêmement connus c'est ibn benouzaym ibn hibban et le al hakim qui ont vécu à peu près en même en même moment aussi juste après ce siècle là le siècle d'après euh, ils ont ils ont voulu dans leur introduction de ne introduire ou de ne de ne citer que la hadith qui était authentique mais le ulama il a il hamd et ça c'est une comme tu as dit tout à l'heure euh, L'importance de l'ilm hadith, c'est que le, ce n'est pas, on n'accepte pas ce que quelqu'un déclare. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que, le, que son livre est authentique qu'on l'accepte comme ça. C'est une science qui est une science euh, qu'on fait pour Allah Subhanahu wa Ta'ala et qu'on demande effectivement qu'on a fait par Allah Subhanahu wa Ta'ala et pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. On n'accepte pas les, la parole des hommes. Du coup, il y a eu une vérification, on regarde à chaque fois. Et ça, c'est une particularité de la science religieuse, la particularité de notre, de notre religion, celle de la religion de l'islam, c'est qu'on vérifie, on ne prend pas.. La parole de n'importe qui. On vérifie quelles, que, que, est -ce, est -ce qui, quelles sont les sources et quelles sont les preuves de ces dires. Ce n'est pas seulement, il l'a dit dans son introduction, qu'on va accepter. Et malheureusement, beaucoup, euh, voilà, des, on ne va pas dire des, des savants, mais plutôt des. des, des, des même, même à une époque où il y a Tchaklid, effectivement, qui a été l'imitation, euh, euh, qui, qui, a, qui, qui a paru, et les gens ne regardent plus, ne critiquent plus. Ce n'est pas dans la critique, c'est n'est pas la critique mauvaise dans un propos c'est la critique constructive. Ouais, c'est l'esprit critique. critique mais ils ont perdu cet esprit critique et ils sont venus dans l'imitation complète. ils prennent à chaque fois ce que leur cherche leur dit sans regarder sans demander une preuve, sans effectivement être tout, tout en être tout en étant bienveillant, tout en étant, tout en ayant un bon comportement. et également ça se retrouve aussi dans, dans pas mal d'entre nous, euh, wa nous, 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 euh, nous réforme. on reprend, on prend des livres parfois et on, parce que la personne a dit euh, une telle, telle chose que directement on commence à... on prend on prend sa parole pour un argent comptant et on commence à la, à la diffuser sans faire attention, effectivement, sans même savoir qui a écrit. Enfin, on lit des livres, on regarde, oh, mais c'est bien écrit, il parle d'Allah, ils sont prophètes, on prend, effectivement, il n'y a pas de problème. Du coup, il faut faire très très attention et, et, et prendre exemple sur ces ulama Ils n'acceptaient pas, même si, effectivement, ces gens-là, comme Boun Joseïm al un, un grand savant. Il a dit qu'effectivement, il prenait des les hadiths qui étaient authentiques, il vérifiait la chaîne de transmission, etc. Mais il ne prenait, prenait pas pour argent comptant ce qu'il disait, du coup, il vérifiait derrière lui. Et dans ces livres-là, que ce soit celui d'Ibn Khuzaym, Ibn Hibbal, et Mustadrak al-Hakim, les livres, il n'y a pas que des hadiths authentiques il y a des hadiths aussi qui sont avec un degré moindre d'authenticité qui le Hassan, mais également, il y a du Da'if aussi il a parfois du Maudoua également, des, 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 des hadiths qui sont faibles et parfois même des hadiths qui sont, qui sont des mensonges. Du coup, il faut faire très très attention de, de, de ne pas prendre tout ce qui est écrit dedans. Mais les ulama, alhamdoulilah, ont travaillé sur ces livres, ils ont, euh, ils ont réévalué ces hadiths pour nous montrer effectivement, nous, nous indiquer qu'est-ce qui était faux, qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui est authentique. Ils ont fait ce travail-là. Et Mustadrak al-Hakim, c'est un livre qui est un peu, un peu spécial pour comprendre qu'est-ce que le Mustadrak. Moussadak c'est un peu le rattrapage et en fait Moussadak il, il disait qu'effectivement il voulait rattraper des hadiths en plus euh, en respectant les conditions de l'Imam Bukhari ou l'Imam Muslim les conditions qu'ils avaient spécifiées dans leur, dans leur livre l'authentique de l'Imam Bukhari l'authentique de l'Imam Muslim du coup il disait qu'effectivement il nous rapportait des euh, il rapporte dans ses livres euh, des hadiths qui ont été rapportés par Rijal sahihain, par les narrateurs qui constituent en tout cas par lesquels ont été transmis le Sahih Bukhari, enfin transmis pardon, les hadiths de Sahih Bukhari Sahih Muslim du coup et ce, il avait mis cette condition là mais certains ulémas disent qu'effectivement cette condition n'a pas été respectée tout au long de son livre parfois il y avait des choses qui n'étaient pas sous la condition ou en tout cas qui respectaient pas les conditions de l'Imam Bukhari et ou l'Imam Muslim et, et une des raisons pour laquelle les ulémas disent que son livre est, arrive en troisième position justement après celui de Musaylima et ensuite pardon celui de Ibn Hibban il arrive en dernier. Ils disent qu'il l'a compilé à la fin de son de son, de, son, de, son, de son vivant. Il a vécu à peu près 80, il a vécu 84 ans. Même le hakim Du coup il a, il avait vécu 84 ans et le livre qu'il avait compilé, il avait compilé c'était c'était encore un brouillon. Il avait écrit, il l'avait complété Effectivement, mais c'était un brouillon. Il a, rec... il a commencé, il a juste commencé à le peaufiner, à le corriger, etc. Du coup, le livre, au début, à son début, dans le, le, le chapitre sur le Tahara et sur, le, sur les, la purification et sur la salade, sur la prière, était plutôt bon. Effectivement, on voyait qu'il avait fait du travail et ensuite, on a commencé, la, la qualité a commencé à baisser parce que c'était un vrai brouillon. Il n'a pas eu le temps de le terminer parce que c'était à la fin de sa vie. Ça, les ulamas ont trouvé effectivement des raisons ou des ou des raisons ou des justifications de de, de effectivement qui n'est pas respecté totalement c'est ces, les conditions qu'il avait édictées et Abdallah après après ceux qui ont suivi cette cette en tout cas ce, cette méthodologie celle de n'extraire que dans des livres et ne n'écrire enfin, de livres que sur les hadiths authentiques il y a d'autres qui ont écrit ils ont fait comme les les, euh, les érudits, les ulama, les savants qui rapportaient les sunnans, euh, ils ont visé beaucoup plus large avec des hadiths qui étaient authentiques, qui étaient plutôt hassan, plutôt da'if, effectivement tout le temps, n'ayant tout le temps, mettant tout le temps en avant la chaîne de transmission, c'est très très important pour ces ulamas là parce que pour eux dans le principe, faqad ahal", les ulama, dès le moment où il a mis sa chaîne de transmission, sa responsabilité est dégagée parce que pour lui il l'a rapporté d'un tel, il l'a dit de qui il l'a rapporté, parfois quand c'était extrêmement faible ou des hadiths qui étaient des mensonges pour eux, ils le disaient. Ils le spécifiaient quand même, parce qu'on ne peut pas rapporter un mensonge sans du Prophète sans l'avoir déclaré, sans l'avoir dit. Parce que c est, c est, on fera partie, comme tu as dit, Fik, on ferait partie des menteurs sur le Prophète. Il faut faire très, très attention là-dessus. Il y a eu l'imam Bayhaqi qui sont venus, c'était à peu près à la même époque. Et également, il y a l'imam également Il y a un de ses livres qui s'appelle Shah Mushkil Athar vous voulez parler un peu, un peu spécifiquement de ce livre, qui est très intéressant dans une des disciplines de la science du hadith qui est Murtalaf al-Hadith, qui est al-Hadith ou Murtalaf al-Hadith, c'est les Hadith divergents. Mm -hmm. Il a écrit un livre qui fait plusieurs tomes. Où à chaque fois, il, ne, il prend deux hadiths qui sont authentiques et il essaye de, de effectivement de faire le, 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 un, pas un compromis, mais de trouver les moyens de les accorder. Parce que parfois, ils sont... D'apparence contradictoire. Pour lui, le al-Hadith n'est valable que sur les, les, les hadiths qui sont déclarés authentiques. Un hadith authentique et un hadith faible, il n'y a pas de discussion. Un hadith authentique, il, il prend le dessus et il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Pour lui, dès le moment où deux hadiths sont authentiques, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes pour pouvoir les, les, les réconcilier ou parfois pouvoir euh, mettre en avant un par rapport à l'autre. Effectivement, est-ce que combien le nombre de personnes qui l'ont rapporté? La première, la première, première, la première, le premier critère, c'est l'historique. Quel est le hadith le, le plus ancien par rapport à l'autre? Parce que dès le moment où il est plus ancien le nouveau, le nouveau va primer, pourquoi? Parce qu'il va abroger l'ancien. Ainsi de suite. Mais avant d'arriver au choix entre les deux, il faut d'abord les, les concilier. Dès le moment où il y a un moyen de les concilier, on va les concilier. Il y a des exemples qu'on a traités plein de fois. C'est par exemple dans la salade, ceux qui disent qu'effectivement, quand on fait le roquois sur les, sur les genoux, d'autres qui disent directement avec les mains. Ça, ça fait partie, des, par exemple, des exemples de hadiths qui sont contradictoires d'apparence. Mais le ulama, ils, chacun, par rapport à ce qu'Allah lui a inspiré, va faire ce travail-là. Ou comment, ou comment réparer la prière. Exactement. avec, avec Et parmi ceux-là, ceux il y a même Imam Tahawi qui a écrit deux livres il y a un qui s'appelle Shah Ma'ani Al-Athar et l'autre, c'est Mushkil Al-Athar. Il y en a un qui est plus large que l'autre. Euh, et, et il a fait effectivement fait écho à au premier qui avait travaillé sur ce sujet-là, qui était même chef, et, et l'autre, effectivement, euh, d'un autre auteur dont j'ai oublié le nom, euh, qui s'appelle Ibn euh, qui avait travaillé dès le, dès le, dès le, le troisième siècle sur ce sujet-là. Et, et lui, il est parti un peu plus loin pour peaufiner ce sujet. Et À ce moment-là aussi, est d'autres d'autres ouvrages qui n'existaient pas avant, des ouvrages de spécialisation. C'est la première fois qu'on a écrit spécifiquement un livre sur l'essence du hadith. Le premier à avoir écrit des ulama ont déjà écrit sur l'essence du hadith sur la terminologie du hadith en, en accordant voilà une petite place dans certains ouvrages comme par exemple Imam Shafiie dans dans Risala, dans le livre de Risala. Qui est un livre de, de, de fondement de la jurisprudence. C'est le premier livre qui a été écrit dessus. Et là, dedans, il, a quelques il y a un chapitre qui parle, ou quelques éléments où il parle de la science du hadith. Mais le premier à avoir écrit un livre indépendant, c'est le Qadir Ramahurm, au Zérahamatullah alayhi wa Ali, d'un Mahadith al-Fasil. Ce livre-là, c'est vraiment un livre qui est spécifiquement, euh, spécifiquement dédié à la science du hadith. Alors retenez ça parce que ça sera la question de la semaine prochaine. Bon, je, le dis, je vous prépare dès maintenant, mais alhamdulillah. C'est qui a écrit ce livre, et après le Hakim, euh, celui, celui qui a écrit le Mustadrak il a écrit aussi un livre hein, juste, juste après, euh, qui s'appelle al -ul ulum al-Hadith, La connaissance des sciences de la, du Hadith, après Ibn Salah, etc. Ils et se sont suivis. Il y a aussi une nouvelle façon, de, de nouveaux ouvrages qui, sont, qui ont commencé à apparaître, comme le Mustakhrajat, ce qu'on appelle le Mustakhrajat, est très important, qui est une, une, une spécialité extrêmement importante dans le sens où les gens ils vont venir la moustakalage c'est comme l'extraction tu vas extraire mais dans le sens c'est pas réellement une extraction mais ils vont aller prendre un, un livre comme ça comme le, le, le livre Sahih Bukhari ou Sahih Muslim ou d euh, les, les livres de la Sunna et il va reconstituer en fait la chaîne de transmission du hadith par rapport à sa propre chaîne de transmission en, en fait avec en ayant le même en fait en se en rejoignant avec l'auteur principal en se rejoignant à son cher ou le cher de son cher. Par exemple, il va écrire, il va par exemple le un qui va rapporter de l'imam Bukhari qui va rapporter de son cher Ibn ou d'autres. Lui, il va écrire effectivement, il va venir avec sa propre chaîne de transmission jusqu'à ce qu'il arrive au cher il va arriver, pardon, il va arriver au de Bukhari et ensuite continuer ou au cher du cher. L'intérêt, c'est qu'on puisse avoir toutes les chaînes de transmission pour avoir potentiellement des, des ajouts qui n'existaient pas dans la, la version d'un auteur, de pouvoir vérifier les chaînes, effectivement, est-ce que, est, est que la chaîne est vérifiée certains auteurs, parfois parce que l'auteur de celui qui va écrire, il va rapporter de son shir » sans le citer, ou par exemple en disant ⁇ an ⁇ c'est-à-dire sans avoir déclaré réellement qu'il l'a rapporté de son chiffre. Et le fait d'avoir une autre façon de le faire, on va vérifier que vraiment la, la, trans, la, la, la transmission a bien été faite de façon claire et, et, bien, et bien déclarée. <coughs> du coup, il y a une façon effectivement de, de travailler la sunna pour pouvoir avoir le plus de, de comment dire, une, une cartographie la plus, la plus large possible des, des chaînes de transmission des hadiths. Tout ça pour le service de la sunna et pour apporter effectivement un service à la sunna du prophète. Ça, c'est un des une des spécialités, un des ouvrages qui est apparu à ce moment-là. Il y a aussi les livres de compilation de livres. Avant, chacun écrivait des livres. À ce moment-là, on a commencé à compiler. Par exemple, compiler le Bukhari muslim. Ce n'est pas du copier-coller qu'il faisait Il n'y avait pas d'Internet à, 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 à cette époque-là. Il n'y avait pas Internet. On ne prenait pas le livre, après on le collait avec l'autre. On prenait les deux, on réorganisait, on enlevait tous les assanides où il y avait de la répétition. On faisait tout un travail de, de byn, byn, byn sahihan, par exemple, al ou d'autres qui ont fait l'Ishbili et d'autres ulama. Il y a également euh, des. J'ai parlé tout à l'heure du Mustakhraj, il y a le Mustakhraj de, de Abu Iwana, le Mustakhraj d'autres euh, qui, ont, qui, qui ont existé effectivement à ce, ce moment-là. Ils ont commencé à, à, à travailler. Tout cet héritage qu'ils ont, qu ont eu juste au, au, au siècle avant, en commençant à travailler, à, à écrire des livres sur les Rijal, sur toutes les chaînes de transmission des livres de la des sunan, de Bukhari, de musulmans, de pouvoir écrire leur biographie, les, les, les caractères de ces personnages. Ils ont vraiment travaillé tout cet héritage-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il qui faut leur. Euh, comment dire C'est un mérite important, parce qu'ils ont réellement assis la science du Hadith, ils ont travaillé toute cette Sunna, alhamdulillah, que tout en la peaufinant, tout en, en, en apportant des comment dire des précisions supplémentaires, du travail supplémentaire. Et c'est quelque chose que alhamdoulilah, maintenant qui est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui avec oui. l'internet, avec les ordinateurs. À l'époque, il n'y avait pas effectivement. Il y en a qui travaillaient, ils faisaient par exemple le, le, les livres, ils écrivaient les livres ce qu'on appelle l atraf. L'Atraf, il prenait un bout d'un hadith et ensuite il, il citait tous les ulama, pardon tous les muhaddithins qui l'ont rapporté. C'est à, à peu près le, la recherche qu'on fait maintenant sur Internet. Tu recherches, après, tu as tous les... Et ce travail-là, il le faisait manuellement. Et, et à chaque fois, quand tu revenais, tu cherchais à ce hadith. Tu, tu, en allant dans leur livre, tu cherchais effectivement ce hadith. Prenez juste un bout par lequel tout le monde le connaît. Par exemple, une ou Bin ils vont mettre ou Bin ils ne vont pas mettre tout le livre. Tout, tout le hadith. ils vont juste le bout qui est connu. Et ensuite, il vont dire qu'il a été rapporté par un tel, par, dans tel livre, dans tel livre, dans tel livre, dans tel livre. Et ce travail-là, c'était un travail d'années complètes, de décennies complètes. Ça te prenait énormément de temps et il ne dormait presque pas, effectivement, pour pouvoir y arriver. Parce qu'il n'avait pas toutes ces dettes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certaines, certains logiciels, tu tapes, tu cherches le mot, tu le tapes. Même, Alhamdoulilah, il y a certaines années, pour aller retrouver dans le Coran un certain monde, on se servait de certains livres. Fait, tu vois celui, par exemple, que tu, que tu as, que, ouais, voilà, que tu utilises. Ouais. Maintenant, Alhamdoulilah, c'est beaucoup plus simple. Ouais, tu tapes maintenant le mot, Alhamdoulilah, tu te dis à dans quel endroit, à quel... Voilà, ça devient de plus en plus simple. Mais ça ne veut pas dire que ça, ça crée de nous des, des savants. C'est ouais. plutôt, ça crée de nous des gens qui sont plutôt feignants. Et, et, et ce et quand il revenait, Alhamdoulilah, dans ses livres, disent les ulamas, parfois quand tu prends le livre, tu recherches quelque chose, en recherchant, tu vas pas y arriver du premier coup, ça va te prendre, vois, ça va te prendre beaucoup de temps, mais en feuilletant, tu vas arriver en fait à l'Illah, à, Alhamd, à, à, à retrouver, en, en tout cas à, à t'imprégner d'autres choses, en, en, en feuilletant, tu vas lire et ensuite, Alhamdoulilah, tu vas avoir beaucoup plus de choses parce que tu n'arrives pas directement... À la, à, à la cible ce que tu recherches réellement. Du coup, ça, 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 les, ça les aidait à revoir parce qu'ils étaient obligés de relire. Parfois, quand ils cherchaient quelque chose, et même le chef il y quelqu'un qui avait posé une question, un rapport de lui, il avait un cours, il disait, euh, les, justement, euh, il mettait en avant les sources de la législation. C'était le Coran, la Sunna du Prophet Isaac, le qiyas. il y a quelqu'un comme ça dans, dans la... Dans la de l'assistance qui lui pose la question il a dit coran et la sunnah on voit très bien il a dit il lui a dit le d'où tu d'où tu tiens la, la preuve d'où ça te vient pourquoi tu dis ça il a dit il était il était, il arrivait pas il trouvait pas de, de la réponse parce que pour lui c'était une évidence mais il n'avait pas la preuve parce que comme pour, parfois pour nous on dit pourquoi tu pries quatre quatre, 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 quatre quatre fois tu le sais tout le monde le sait. Ouais. Mais quand on va te demander quelle est la preuve, ouais. parfois tu n'arrives tu, tu l'as pas en tête. Du coup, il dit il est parti, il est, il est rentré chez lui, il est resté plusieurs nuits, il a relu le, le Coran 60 fois. Pour rechercher effectivement la l'origine, il a trouvé il la il hamd effectivement la, 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 la preuve euh, il dit effectivement effectivement, c'est ceux qui effectivement à quel il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la soirée j'ai oublié la la la, la, la surat, disait, ceux qui acquis la vérité a été éclairé ou a été parvenu et qui, et, et qui recherche un autre moyen que celui, ou en tout cas qui prenne un autre chemin que celui des, des croyants. C'est la sourate en Nisa, Nisa. verset 115. Et euh, effectivement, à partir de là, ouais. de, cette, de ce verset-là, il a dit voici le, 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 la, la preuve. preuve de Ijma. Parce que celui qui va rechercher un autre ouais. chemin que celui, des, que celui des croyants. Tout à fait, absolument. Et, et, et c'est on voit, on voit le travail qui a été, qui a été mené par ces ulamas-là, et c'est important, comme tu disais tout à l'heure, c'est de leur rendre hommage. Parce qu'on fait ce cours-là, je vois peut-être que c'est un peu trop spécialisé, un peu trop, on rentre un peu trop dans les détails, parfois peut-être, mais c'est de montrer quelle quel était l'étendue des efforts qu'ils avaient menés. Ce n'est pas seulement des gens, enfin, on, on récupère certains livres, on voit des fois des petites... Comment dire, des citations, al ou muslim mais on ne sait pas à tout l'effort qu'ils ont mis en avant. Et c'est important de les remercier, on leur rendre effectivement hommage au travers de ces cours-là pour que les gens les connaissent un petit peu plus et qu'ils sachent effectivement quel est l'apport qu'ils ont apporté pour la sunnah du Prophète et plus largement pour notre religion. C'est eux qui nous ont transmis la sunnah du Prophète. C'est juste pour quelques mots, je parlerai après des derniers siècles. Euh, Alhamdoulilah, peut-être un, un, un jour on fera la même chose pour le Coran, ta'ala Ce sera peut-être. Euh, moi, que, que, je le, que je le tiens, effectivement, comme mm. tu dis, ça peut paraître spécialisé. Mm. Euh, un, il faut reconnaître, il faut, euh, je pense, que c'est très très important de savoir, c'est pas une religion qu'on hérite. Oui. Donc ça, je pense que c'est important. Quand des gens sont, quand ils ont découvert autre chose, ont changé de, leur, ont changé de religion. Comme les gens qui euh, pensaient que la vie valait le coup et ne connaissaient pas l'au-delà, une fois qu'ils l'ont découverte, Allah les a orientés vers... Donc, c'est une, une porte d'entrée. Ça, je pense que c'est important. Et on, vraiment, on n'aime que ce que l'on connaît. Donc, c'est pour cela que malgré les précisions que tu, que tu viens de donner, euh, ce n'est pas du détail. C'est mm. la première chose. Ensuite, je pense qu'il y a une chose qui est très, très importante, à mon humble avis, qui doit nous servir euh, à chacun d'entre nous, spécialiste ou pas, c'est la méthodologie. Je trouve honnêtement que c'est si important, s'ils l'ont pris, même si on ne leur demande pas quelles sont les preuves, quand on prend euh, un verset 7, je crois, de la quarante 49, quand Allah dit Si vous les croyant, quand un pervers vous apporte une, une, une information, vérifiez-la. Et donc, on n'a pas l'impression qu'on enfin, le lit comme ça. Effectivement, il y, une, il y a une historique, il y a une histoire, on sait pourquoi. À quelle occasion plutôt Allah l'a. Mais en fait, c'est tout un comportement. Et eux, parce qu'ils craignaient Allah, parce qu'ils le connaissaient, ils se devaient d'appliquer ça, et bien qu'ils ne considéraient pas les gens, les gens comme pervers. Donc, c'est une, une chose qui est générale et qui doit nous accompagner dans notre réflexion, dans notre respect de la vérité, dans la recherche même. C'est ça la recherche, en fait. Hein. Donc, comparer ce qui est dit, est-ce que c'est une réalité D'autant plus que ça t'engage dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, ça, je pense que c'est extrêmement important. Homme ou femme, tout responsable se doit quand il entend une chose. c'est pas parce que ça vient d'un tel. On connaît mm -hmm. le fameux dire qu'on attribue à Ibn Abbas euh, ou à l'imam Malik, qu'Allah le fasse tous miséricorde. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde sauf du professeur وسلم. Donc, quel que soit, si l'imam Malik va euh, contredire euh, ou apporter des informations ou chercher d'autres sources, que celles qui ont été rapportées par, par l'un de ses maîtres en affaires, ce n'est pas parce qu'il veut les contredire, au contraire. C'est parce que pour mm. renforcer, et comme Ibrahim alayhi salam, il demande, comment est à Allah, montre-moi comment est-ce que tu vas tu, tu, tu tu ressusciter les morts. Allah lui dit, est-ce que tu ne crois pas Il dit, si je crois, c'est juste pour apaiser mon cœur. Donc je pense que ça c'est un devoir d'un point de vue scientifique, d'un point de vue intellectuel, que chacun d'entre nous enrichisse sa, sa religion, sa conviction, pour aller vers la certitude. Et ça, je pense que c'est un devoir, ce n'est pas, pas une remise en cause de ce que les parents ont dit. Oui, mais tu, tu doutes de ce que j'ai dit Non, ce n'est pas du tout ça. Je vais enrichir, je vais être encore plus convaincu. Et ça, je pense que pour les intellectuels que nous sommes, ou dont nous nous proclamons, en tout cas, je crois que c'est très, très important. Et l'autre chose que j'ai retenue également de, de, de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait que de trouver toujours des excuses ou des conciliations. Mmh. Quand on parle de l'Israël, les mêmes... Euh, al c'est comment, comment se fait-il Il a prétendu ceci, il a fait ceci, alors qu'en mm. réalité, c'est comme si on prenait une base de données et ensuite on va trier. Donc toujours trouver, comme on fait dire le mm. professeur Sallam, trouver son dis-excuses à son frère, et sans compter que certainement Allah mm. sait pour, quels sont les efforts qu'ils ont fait pour arriver à ça. S'ils arrivent à du bien, c'est grâce à Allah, mais au moins ils seront récompensés. Et donc ça, je pense, dans notre démarche aussi, quand on prend... Ce n'est pas parce qu'on trouve qu'un hadith est faible mm -hmm. ou qu'on va dire dans le Bukhari on trouve quatre hadiths discutables mm -hmm. que l'on va dire, ah oui, mais ce ne sont que des hommes, certes, mais ça part d'une démarche consciente, une démarche de piété pour ne laisser à la fin aux gens qui sont après nous, chacun d'entre nous a une responsabilité. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, on n'hérite pas, entre guillemets, de la religion, comme j'ai dit tout à l'heure. Mm -hmm. Chacun d'entre nous, c'est comme Allah nous utilise comme des filtrants. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, si j'entends quelque chose aujourd'hui cette émission, si je la transmets à un ami, à une, à une femme, à un enfant, je dois la transmettre de la meilleure des façons. Et pas rabâcher entre guillemets. ce que j'ai entendu, je l'ai récité. Non, parce que j'ai une part de responsabilité, et comme on sait, c'est la région d'Allah. Donc si j'ai entendu, je sais qu'il y a des divergences sur une chose, mieux vaut que je ne la transmette pas ben là, pour ne pas la polier, pour ne pas la polluer. Donc ça, je pense, entre autres, mm. que ces deux leçons qui me paraissent vraiment très, très importantes par rapport à ce que j'ai entendu, même si ça peut paraître être des spécialités, mm. euh, des choses très spécifiques, mais c'est également c'est la rigueur. La rigueur qui doit être euh, une des clés, je pense, de conduite de tout un chacun. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre religion, c'est la religion d'Allah. Et surtout, il y a un jour où on aura à rendre compte. l'a mm. Allah dit dans la Sourate 50, il ne prononce pas une parole s'il si n'a pas à côté de lui un écrivain et qui sont fidèles. Donc, si ça, il s'agit vraiment d'être exigeant, à mon humble avis, vis-à-vis -vis de ce que l'on transmet, vis-à-vis -vis de ce parce qu'on en est le témoin. Et à ce moment-là, on va suivre une méthodologie, pas parce qu'on va idéaliser les gens, simplement, ils ont, une, ils ont à leur donner ce qu'il ne nous a pas donné, c'est-à-dire la piété, qui fait qu'avant de dire quoi que ce soit, il faut la vérifier parce que demain, tu auras à répondre à ce que tu as dit. Effectivement, l'exemple le, le, de lui-même, Chef, et cette histoire qu'on raconte de lui, c'est on voit que l'importance qu'ils accordent à la science, et effectivement, une question comme ça qui est parfois banale, que quelqu'un peut-être euh, l'aurait prise, même pas, il n'aurait même pas écouté. Euh, il, il est parti, il est resté plusieurs jours, effectivement, à aller relire le Coran et à aller chercher, effectivement, mont à jusqu'à ce qu'il retrouve, effectivement, ce verset de surat 115 quoi 115 mais il choque le du coup il est parti et retrouvé effectivement ça pour revenir pour le dire effectivement à la personne il dit ça y oui, est je retrouvais c'est pour ça d'ailleurs que là, les contradicteurs oui c'est il il y a des gens qui sont des polémiqueurs c'est pas la peine de passer leur fait. temps mais quelqu'un qui te pose une question ça, est, ça, en fait Allah il interroge exactement et donc et là moi, je fais, moi qui suis de l'ancienne <laughs> école en voulant aller chercher quelque chose dans un livre, pas mm. seulement taper le moteur Google, mm. ce, mais en voulant, tu apprends énormément chose. de choses à Exactement. côté, Exactement. et puis finalement tu dévis presque, tu apprends tout à fait autre Exactement. chose. Exactement. Mais c'est Allah qui a voulu t'éduquer au travers d'une question. Donc ne Exactement. dis pas que celui-là il pose trop de questions. Si la question intéressante. Et est intéressante, tu dois faire mm. des recherches dessus, et par là Allah il t'éduque, il t'enseigne ce que tu ne savais pas. Okay. 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 Alors, il, ça. Ça. il faut garder effectivement cette, cette démarche-là. Et cette démarche, nos pieux prédécesseurs nous l'ont montré, ils nous ont montré le chemin par lequel on doit, on doit passer, c'est toujours mettre des efforts. Parce que la science n'est pas quelque chose de simple. Elle, elle s'apprend parfois, alors on ne va pas dire vite, ça s'apprend difficilement, et elle part sûr. très très vite. C'est sûr. Elle s'évapore elle, elle elle, elle, elle comme, comme l'eau sous, sous 50 degrés. Hein. C'est très très facile effectivement de perdre. Pendant une vingtaine d'années, pouvoir apprendre la science et au bout de au bout de trois quatre ans, ça et tout est parti. Vrai. Et c'est très très important de, ces ulama ils sont, ils ont consacré leur vie à la science, et ils ont consacré à leur vie à asseoir la science, à la codifier, à, la, à toujours s'améliorer, à toujours rechercher l'excellence. Et la ces ulama, ils ont toujours apporté quelque chose par rapport à ceux qui étaient avant soit en apportant des précisions, soit en codifiant effectivement une science pour l'écrire, soit d'aller spécialiser dans quelque chose du coup, ils ont toujours apporté, parce que c'était ça leur intérêt, c'est toujours apporter quelque chose de plus qui va venir servir notre religion, qui va venir servir la Sunnah. Et Hamdullah, à partir de ces siècles-là, on a connu, comme j'ai dit, Dara Kotni, qui a écrit le Kabir, ils ont écrit effectivement d'autres compilations, tout en rapportant eux-mêmes. Les sunna du Prophète A.S. Chaque fois, ils connaissaient les, les chaînes de transmission, ils rapportaient deux jusqu'au Prophète Salam Parfois, il y avait quatre, cinq, six personnes. C'est important de, pour eux et c'est un honneur pour eux. Il faut, il faut aussi le savoir. C'est un honneur d'être rattaché directement au Prophète Salam Maintenant, parfois, on lit des livres, mais pour eux, c'était important, pas seulement le livre, de se dire moi, je le rapporte avec ma propre chaîne de transmission au Prophète Salam pour ne jamais cacher cette casser cette chaîne et toujours être lié au prophète al et la lumière du prophète c'est très important de le savoir jusqu'à d'ailleurs oui. une parenthèse jusqu'à ce, ce jour c'est mm. ce qui fait l'une des particularités de certains savants dont certains qui vivent contemporains qui mm. vivent encore en Mauritanie par exemple oui, donc, ou d'autres mm. et même dans la science du Coran du, 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 du il y a des gens qui vont prendre qu pour, avoir, pas, pour avoir une, une, une ijaza, oui. on prend de celui qui nous a enseigné et ensuite à son, mm. à son, à son enseignant et remonter jusqu'au professeur fait, donc oui. c'est vraiment la garantie c'est encore une fois je dis la on peut pas aimer une chose qu'on ne connaît pas c'est quand ah oui mais comment se peut-il aujourd'hui on tape sur Google et puis c'est terminé alors qu'en réalité c'est les gens quand je dis quand je dis parfois si je crois en Jésus c'est parce que je le trouve dans le Coran si je crois en Moïse, c'est pas parce que non parce parce que je le trouve mmh. dans le Coran. Voilà. Donc c'est une chance, c'est une opportunité de de d'espoir. De se baser sur des choses qui sont, je dis solides, ça amène de la certitude. Ce n'est pas j'ai mmh. entendu mon père a dit qu'il y avait un homme qui s'appelait ceci, qui a fait cela. Bon, il a pu se tromper. Peut-être que c'est une vision, peut-être que ce n'est pas vrai, alors que là, tu peux remonter jusqu'à la source première qui est encore intacte et que tu peux aborder. Ça, je pense que c'est vraiment, encore une fois, la science du Hadith. Pour moi, c'est vraiment l'une des plus belles sciences humaines qui puisse exister. Totalement. Au fait totalement. d'avoir mis en <inaudible> avant l'importance de la science du Hadith. Et, et à ce moment-là, effectivement, ils ont suivi, ils ont continué à à apporter leur, euh, leur science, à apporter des efforts importants pour la compilation, pour le soin autour de la sunna, le soin apporté à la sunna du prophète, oui. alayhi Et on a connu un tournoi à partir du, on va dire, du, du 5e siècle, où l'histoire de l'islam a connu euh, des rebondissements. Il y a beaucoup de fitan, beaucoup d'épreuves, de, des calamités, des éléments qui ont, qui ont basculé, en fait, la science vers le déclin, qui a commencé un petit peu avant le 5e siècle, Imam Barawi, ala, qu'on qu surnomme Muhi'i Sunnah. Mm -hmm. Muhi'i Sunnah, c'est celui lui qui a revivifié, a en... revivifié, revivifié la Sunnah du Prophète. -il, 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 il le disait lui-même quand il a écrit son, son livre qui s'appelait um, Sharh Sunnah lil Barawi. Mm -hmm. Sharh Sunnah, l'explication de la Sunnah, qui est un livre, de mais, un livre de compilation. Mais aussi un peu de fait. Effectivement, il rajoutait de la jurisprudence, um, il expliquait les avis des ulamas sur les questions. Il disait pourquoi il avait écrit ce livre parce qu'il voyait de plus en plus l'empreinte ou la, ou la recrudescence des gens de l'innovation de et de la passion qui ont pris les devants. Et il voit que la sunna n'a plus que, en réalité, que le, que le mot. En fait. Il n'y avait, avait plus que le mot. Et pour lui, c'était important de revivifier la sunna et d'amener les gens, effectivement, vers la sunna du prophète, parce que les gens, ils se sont commencé à se désintéresser. Et c'est arrivé à un moment de l'histoire où le... Le, le, on commençait à avoir le déclin de, de la Khilafa Abbaside. Euh, à cause, premièrement, hein, une des premières causes effectivement du déclin, c'est que les Turcs. On ne parle pas des Turcs maintenant qui sont en Turquie. Hein, c'est les Turcs le, effectivement qui sont venus d'Asie centrale. Ils ont commencé à prendre le pouvoir. Et euh, juste après, on a vu, vu l'apparition de ce qu'on appelle le Buyid. Le qui est une dynastie, qui qui est apparu en Perse, qui étaient des chiites, qui ont adopté en fait le, 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 le chiisme, et ils sont venus, ils, ont, ils sont rentrés en fait à Bagdad, ils ont pris le pouvoir, non pas pris le pouvoir complètement, mais ils ont, ils sont rentrés et que dans le, effectivement dans les rouages de l'État, et le rôle de, du, du calife n'était plus qu'un rôle D'apparence. En le fait, il n'avait figuratif. Figuratif. plus de pouvoir. C'est eux qui tenaient le pouvoir pendant à peu près 120 ans. Et c'est à ce moment-là on a vu, on a commencé à avoir vraiment le déclin. On a commencé à avoir la recrudescence, en tout cas l'apparition de la, de, des bidets et des innovations. On a vu également, par exemple, à, Bar à Bagdad, l'apparition, par exemple, de façon très. Euh, Comment dire, impuni, euh, l'insulte, le, le fait d'insulter les sahaba. Les prophètes, à ce moment-là, ils ont commencé à insulter sur les. partout. Et, et on a recommencé, effectivement, à voir euh, ce qu'on appelle. Ils ont commencé à, à, à fêter Ashura, à ce moment-là, euh, en, faisant, en faisant tout ce qu'on voit maintenant. C'est à partir de ce moment-là, c'est apparu. Achura, pour euh, se remémorer la mort de Hussein. Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Et ils ont commencé à faire, par exemple, les pour radir, etc. Ils ont commencé, voilà, ils ont instauré certaines habitudes, certaines traditions chiites, et, et ça a mené en fait à une fitna extrêmement grande à l'intérieur de Bagdad entre les chiites et les sunnites. C'est à ce moment-là que ça a commencé vraiment, et ça a marqué le déclin, le vrai déclin scientifique à ce moment-là. Et ça a été aussi, euh, on va dire, couplé à l'apparition de l'obaidite les se qui sont appelés les Fatimid, les, ouais. les fatimides ils sont pas vraiment certains ne veulent pas en fait qu'on les appelle comme ça parce que parce que ça relie à un nom de Fatima le Fatima Ra la hein. ouais. et, et, et les qui est le premier les avoir effectivement le, le fondateur qui s'appelle Ibn al-Fatimi la première apparition a été à Tunis enfin pas dans en tunisie à la ville de Medea effectivement que les Tunisiens connaissent effectivement eux qui l'ont fondé et après ils se sont installés en Égypte. Après, et eux, ça a été une vraie, vraie, vraie calamité pour la science de façon générale et pour le pour la, la sunna de façon effectivement, pardon, pour la science du hadith, la science religieuse et pour la sunna de façon générale. C'est des gens effectivement que le Alama disent que c'était des bâtonnions qui étaient, oui. qui voilà, c'est ils ne il comment dire il il mettait en avant le fait que ou que leur calife était un dieu parfois même un prophète il racontait que il avait ramené une fois un alim un savant deux savants il leur a dit effectivement est-ce que tu attestes que que le calife est et le et le prophète prophète d'Allah prophète il lui a dit même si il ramenait sur sa droite le, le soleil est sur sa gauche, <laughs> le, la lune et qu'ils disent que c'est lui le prophète d'Allah, je ne le dirai pas. Et euh, il l'a effectivement, il les a tués malheureusement. Et on raconte aussi il y a plein plein plein, plein d'histoires effectivement qui ont été racontées des, des ulama qui ont été tués, qui ont été massacrés, qui ont, été, euh, qui ont effectivement euh, vécu des, des horreurs. Hein. des élamas qu'Allah watala, il fait leur fasse miséricorde ouais. et qu'il les récompense par le meilleur. Et c'est à ce moment-là qui paru par exemple le Mouled. Eh ben oui, c'est à l'époque de, des Fatimides, c'est eux qui l'ont instauré euh, et d'autres d'ailleurs, d'autres d'autres choses. À ce moment-là, on a vécu effectivement une transformation qui a qui a poussé certains ulamas à, à à faire à redoubler d'efforts pour remettre la sunna du prophète sallam et la sunna rapportée par les sahaba car les agréer dans un contexte extrêmement empreint par le chiisme, de le re revenir vers la sunna du prophète Ahisatoussalam rapportée par les sahaba et d'accorder cette importance là et on a connu aussi euh, un événement ou en tout cas un épisode extrêmement douloureux c'est les tatars les tatars qui ont envahi les pays musulmans ça a été l'apogée c'était la destruction de Bagdad ils ont détruit complètement Bagdad il a jusqu'à ce que Allah subhanahu wa les les, éloigne, euh, les a éloignés complètement euh, du paysage grâce à, effectivement, Alhamdulillah, grâce à, à, à certains, euh, euh, grâce à, à aux efforts qui ont été déployés et, et une des dernières, uh -huh. euh, dernières batailles euh, a, a vécu effectivement la participation Sheikh Islam Al Al c'est une des dernières batailles qui était à Damas, surtout, euh, effectivement, à côté de Damas pardon. Il a participé activement à cette, à cette, à cette, à cette bataille-là et c'était la fin, effectivement, de, de la, de, de, des Tatars. Et malheureusement, ils ont, ils ont, ils ont commis énormément d'atrocités. Euh, ils ont détruit Bagdad, tous les livres, ils les ont brûlés. C'était une catastrophe, une catastrophe. Également, à ce moment-là aussi, il y a eu beaucoup de, beaucoup de divergences, beaucoup de petits États, euh, surtout. On a connu par exemple en Andalousie, le Molok chacun effectivement se battait avec l'autre. C'était très très dur à ce moment-là. Et ça a poussé un déclin. Et Alhamdoulilah, certains ont repris la main. Ils ont déployé beaucoup beaucoup d'efforts. Mais peut-être, c'est même sûr que ces épreuves-là, ça passe forcément à la sortir sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Et ce n'est pas parce qu'une chose a atteint son apogée qu'elle ne va pas descendre. Justement, oui. c'est une preuve. Et euh, là, je pense que tu as souligné un point qui est très important, qui est celui de, des intellectuels. Oui. L'intellectuel euh, n'est pas là, c'est un combattant tous les jours. C'est pour défendre ses idées euh, au prix de sa vie, comme c'est arrivé à beaucoup de... D'ailleurs, de... quand on prend les différents livres euh, euh, de, dans n'importe quel domaine, et en, en fait, ils sont forcément teintés. De, 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 la, de, la situation, de la situation historique. Mm -hmm. Et ce qui amène les uns et les autres à vraiment travailler, à vouloir à, à défendre, coûte que coûte, mm. parce que ça me rappelle toujours hein, ce cette, cette fameux hadith qui me plaît beaucoup, euh, qui, euh, où le professeur a dit, euh, on m'a montré un songe donc différents mm. peuples. Et il a parlé de Moussa, al avec beaucoup. Lui, son, son, son groupe, Kalanou conforme, celui-là, avait énormément de, de, de personnes mm. dans la, qui, qui constituaient, la, la moitié du paradis. Et il dit il y a des prophètes qui sont venus avec eux quelques-uns, et un prophète avec lui, personne. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut garder en tête. Et quand on parle de Jama'a, souvent, quand on parle de sunna mm. et Jama'a, on a l'impression qu'on traduit souvent par la, les gens de la sunna et du groupe, alors qu'en réalité, on fait dire à Ibn Mas'oud, quand gré, le, le groupe à Jama'a, c'est la vérité même si tu es seul. Mm. Donc ce n'est pas parce que l'imam Ahmad ou d'autres qui étaient minoritaires dans leur cité aujourd'hui, mm. Ibrahim, salam, on vient du Hajj, c'est qu'il était ultra minoritaire. Ce n'est pas pour autant qu'il n'avait pas raison. Donc quand on pense avoir raison, quand on est convaincu des choses, des idées, comme certains le font d'ailleurs, elles mm. peuvent être complètement fausses, mais quand ils en sont convaincus, ils donnent pratiquement leur vie pour cela. Donc c'est un vrai combat. Ça, je ouais. pense honnêtement qu'il faudrait que les, les, les frères mm. et les sœurs qui nous écoutent le comprennent. Quand on n'est pas, on ne va pas lâcher euh, ses, ses convictions, notamment religieuses, parce que tout le monde pense que, parce que ce mm. n'est pas d'actualité, parce que euh, c'est mal vu. Non, je pense que c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala veut. Distinguer les gens qui sont sincères et ceux qui ne l'ont pas. Bon, il y a une masse de gens, bien sûr, la majorité en général, qui suit le faux ou qui suit le, ce qui est le plus facile, mais il y a toujours eu, et il y aura toujours certainement des gens, que Allah a choisi et qui vont défendre le vrai et la vérité, quel qu'en soit le prix. Mm. Ça, je pense qu'entre autres, oui. c'est pour cela que ce que l'on voit qui était minoritaire avant dans nos sociétés ou ailleurs, défendre des idées, ils arrivent jusqu'au bout et malheureusement, comment dirais-je, influencer. Euh, beaucoup de gens, les intellectuels ont une, un rôle extrêmement important, euh, y compris en France aujourd'hui ou ailleurs. Hein. Euh, nos contemporains, il y a beaucoup d'intellectuels à cause d'une idée qu'ils étaient les seuls à défendre, mais finalement, ils vont en faire euh, un cas mmh. national ou je ne sais quoi d'autre, hein. une, cause, une cause nationale, et finalement, les gens vont finir par l'accepter, même si c'est le faux et tout le monde fait. sait que c'est le faux. Tout à ah. fait. C'est à ce moment-là qu'on voit l'importance en fait, de la science et l'importance des ulama dans, dans, dans notre histoire. Et quand je citais M. Ibn Taymiyyah, qui était un, effectivement un des grands savants, et il fait partie aussi d'une génération qui ont revivifié avec lui, lui et ses élèves d'ailleurs. Ibn Qayyim, Ibn connaît tous les. Il y en a beaucoup des savants qui. Ibn Mizi, On parle vraiment des sciences, des sciences de hadith. Et, et même Zahabi... Ibn Rajab, qui était son élève, comme tu as cité, si bien, mizzi Ibn ibn D'ailleurs, juste une petite remarque, quand les gens écrivent, ils disent Al-Hafid, ça a une signification. C'est celui qui, qui connaît par cœur, mais les ulamas ils disent qu'on ne donne cet, ceci, ce titre de Al-Hafid que celui qui connaît 100 000 hadiths. 100 000. Certains disent même 300 000 minimum 100 000 hadiths, pour lui donner le, le titre, le le titre graverne, de l'hafed. Parce qu'avant, il y a le muhaddith, qui est le premier degré, c'est celui effectivement qui il transmet. Il transmet, parfois ouais. il écrit, il connaît, ouais. mais on ne dit hafed que pour celui qui connaît 100 000. 100 000, 100 000 minimum. Et après, il y a le hujja, qui est la preuve, on parle de la preuve, après on parle de hakim celui qui connaît, mais ça c'est celui qui a le plus haut degré. Et le dès ce moment-là, il y a certains ulama qui se sont dressés de l'ulama du hadith qui ont apporté énormément de travail ils font, effectivement ils ont apporté énormément d'efforts parmi eux si on cite juste pour les citer pour que les gens les connaissent et je pense que vous les avez déjà entendus comme al al khatib Al-Baghdadi on peut citer Ibn Tahir Al-Maqdisi Ibn Tahir al Salafi pardon il y a également, il y a ça il y a d'autres ulamas hein, qu'on pourrait, qu pourrait citer qui ont fait énormément d'efforts. Et à ce moment-là, on est arrivé aussi à l'imam Barawi que j'ai cité tout à l'heure. Après, est arrivée la génération de Mnoutaymi Rahmatullah Alaihi Wasallam avec ses élèves à partir du, du, 7, du 8e siècle, 7e, 8e siècle, mais plutôt 8e, 700 et quelques. Et après cela, il y a l'école de, de l'imam le, 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 le ibn qui, était, euh, imam, qui était le maître de, de, de hajar, ah, yeah, ibn hajar qui était son maître euh, c'est euh, mm. hmm. qui a aussi constitué un des ceux des revivificateurs qui ont remis la Sunnah effectivement qui a fait énormément d'efforts et à partir de son école s'il y a eu effectivement Al-Haytami rahmatoullahi ta'ala al également, Al-Hafid qui est extrêmement connu, ça c'est arrivé juste au siècle de siècle après. Mais tout cela, tous ces ulama là, ont porté le flambeau. En fait, le flambeau de la Sunna et chacun il se le passait l'un après l'autre. C'est cette... comme, le, c comme c les Jeux Olympiques. Hein. C'est comme les Jeux Olympiques. Ça fait le tour du monde et puis Exactement. finalement, mais c'est une seule personne qui donne à une autre personne. Tout à fait. Finalement, on retrouve le, le même flambeau. Quoi. Exactement. Donc ça je pense qu'à enfin, mon homme la vie, c'est une très très belle leçon. Exactement. Une très belle image de, de ce, on n'est que des éléments. Et le fait de transmettre si la, Allah a voulu que soit la science des hadiths que soit aussi rigoureuse, mm. c'est bien justement parce que c'est très important. Et Exactement. donc ce flambeau, cette graine, je pense qu'il faut toujours la, la garder. Et à, mm. défaut, à défaut, en tout cas, de pouvoir mm. la porter, au moins il ne faut pas l'éteindre quoi ça, ça, je pense que c'est extrêmement important. Alhamdulillah, il y en a qui ont gardé. Ils ont gardé ce flambeau jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu parlais tout à l'heure de cet héritage, c'est important de le savoir. Si c'est un héritage à la fois héritage important pour la science, mais c'est un héritage aussi symbolique. Parce qu'on sait que quand tu hérites, tu passes quelque chose. Et tu veux que tu le passes de façon moins physique. Parce que quand tu as passer ton héritage, ce n'est pas des choses qu'on de qu va transmettre de façon virtuelle, mais de façon réelle. Et la science, elle se transmet de façon réelle. Et il faut garder cette chaîne-là, parce que les ulama sont les héritiers du prophète. C'est primordial de garder cette chaîne, de tout le temps de transmettre l'un après l'autre, même avec une parole, même par un geste peut-être, par un acte, mais au moins transmettre quelque chose à la génération future. Et ça c'est le rôle à la fois des prophètes, de mais des éducateurs également. Effectivement, c'est ce que tu vas laisser derrière toi, c'est la science que tu vas laisser, tu dois la transmettre, tu dois la faire voir, tu dois la... La, la transmettre réellement aux personnes. Ouais, c'est l'une des sagesse pour lesquelles, hein, parmi les trois choses qui restent après à mort, c'est bien ça. c'est vraiment C'est le vrai. véritable héritage, alors que tes, tes, tes héritiers en que physiques vont s'attraper, s'étriquer sur l'argent, qui va pas rappeler, par Celui qui a eu, une, comme l'a dit le prophète Salam, celui qui a eu une part de science, il a eu énormément comme héritage. Exactement, c'est sûr. Ah. Alhamdulillah, il faut dire que chacun. Alhamdulillah a servi la sunna et on a vu apparaître voilà, ces, ces ulama, que ce soit, soit dans le Mashriq, dans l'Orient, que ce soit dans l'Occident aussi. On a cité tout à l'heure ceux, ceux d'Orient comme le Khatib, le Baghdadi, comme on a cité tout à l'heure comme le Salafi, etc. Mais également ceux du, ceux du Maghreb qui ont apporté énormément d'efforts à ce moment-là, à des moments de déclin, mais qui ont revivifié la sunna et les prophètes comme lui-même Abdelbar, Rahmatullah Ta'ala, Ali al-Qurtubi, Ibn Hazm il y a Al-Qadiriyah même Abu Abbas al Qurtubi euh, et, et d'autres effectivement qui ont servi la sunna et qui chacun ont écrit des, des, des livres, ils ont écrit des livres sur la sunna ils ont, ils ont servi la sunna avec des angles différents, chacun il est venu se spécialiser, on a vu l'apparition par exemple de, de, de livres qu'on qu n'avait pas auparavant euh, des livres spécialisés par exemple dans l'Ahkam, Hadith l'Ahkam celui que j'ai cité tout à l'heure al Maqdissi il a un livre qui s'appelle l'Akham, l'Arani où il n'y a que les hadiths qui concernent les statuts juridiques. Il y a Ibn Hajar al asqalani qui a écrit par exemple Boulour al-Maram bien après, le grand-père de Ibn Taymiyyah qui a écrit le Mantaqa. C'est ces livres-là qui ont été spécialisés dans l'Akham. D'autres livres, par exemple, sur Tarhib au Tarhib, les qui connaissent, qui est très connu. C'est à ce moment-là que le taala fait partie de cette génération après le 5e siècle. Que ta'ala lui fasse miséricorde. Il y a d'autres, effectivement, d'autres ouvrages qui sont apparus. Et ça y est revenu, crescendo jusqu'à ce qu'à peu près le 9e siècle. Et là, ça a commencé vraiment à baisser. Effectivement, après, le Havid ibn Hajar al et cette génération-là, ça, ça a rebaissé. On ne reverra plus cette, cette époque-là. Ça s'est vraiment arrêté à cette époque-là. Alhamdulillah mais c'est toujours vivant. Parce a du prophète, ouais, Mais ils, ils ouais, ont pas bien. laissé, ils ont laissé des choses. Et on a vu des, des stars... Euh, de la sunna et sont si peut appelés ça des stars mais plutôt des étoiles effectivement de la sunna alhamdulillah qui ont servi la sunna qui sont très connus comme les, le, le cheikh Al-Azami ala, comme le cheikh al bani qu'on connaît tous qui a servi la sunna qui a effectivement travaillé énormément comme cheikh Al-Malami Yamani, d'autres cheikh Ahmed Shaker Mahmoud Shaker beaucoup beaucoup de qui sont apparus à l'époque contemporaine et qui ont aussi apporté leurs leur touches, effectivement, qui se sont basés et qui se sont inspirés de ce qu'ont ce qu fait ceux qui les ont précédés, tout en apportant les touches. Et du coup, alhamdoulilah, le Bab l'Ijtihad, ou le Bab l'Ijtihad de façon générale, c'est celui de l'effort, est toujours ouvert, alhamdoulilah, pour servir la Sunnah et pour servir la religion d'Allah, qui ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'Allah héritera de cette terre et ce qu'elle contient. Voilà, on est arrivé à 20h29, minute de, de, de la fin. Oh. Alhamdoulilah, si tu as effectivement euh, quelques euh, précisions à apporter Non, pas, pour moi, ce n'est à... pas des précisions, c'est surtout, je pense que, encore une fois, je rappelle, ça c'est ce fameux hadith qui, a, mm -hmm. qui me plaît beaucoup, où Allah euh, voilà, se disait l'homme, mm -hmm. euh, c'est ce qui leur a beaucoup plu, euh, c'est euh, aux compagnons du prophète sallam après qu'Allah les ait. Euh, donner la foi, c'est que le, le, le bédouin qui est venu en disant, l'homme aime des gens et oui. il, euh, il n'arrive pas, pas à faire ce qu'ils font. Il a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Oui. Donc, je pense qu'il faut le garder, honnêtement. Ah, et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, comme j'ai dit pour la, pour la troisième fois dans ce live. Donc aimer, aimer c'est avant tout connaître. C'est la raison, c'est notre. C'est une des raisons pour lesquelles on, a, on fait ces lives-là. C'est vraiment faire connaître, pour aimer. Et je pense que la sunna, c'est qui n'aime pas la sunna, n'aime pas l'islam, s'il n'aime pas le professeur, et qu'on doit aimer plus que nos pères et mères, nos enfants, plus que nous-mêmes. Donc ce ne sont que les héritiers et qui aiment le prophète. Donc, aimaient le professeur. Donc s'ils aimaient le professeur, on prie Allah pour qu'il les rassemble avec le prophète sallam. Et donc si nous, on ne les aime pas, je crains qu'on ne soit pas rassemblé avec eux. Si eux, ils sont rassemblés. Avec le prophète, c'est qu'il ne les aime pas, je crains qu'il ne le soit pas. Donc, je pense que le minimum, on peut de sa chaise être rassemblé avec le prophète, c'est d'aimer ces gens-là, les gens que Allah aime. Et d'ailleurs, le prophète sallam demandait souvent à Allah, c'est Allah qui lui a indiqué, qui était dans le soujou de Allahumma inni as'aluka hubba, ma yuhibbu, hubba amal ila hubbik »« Oh Allah, euh, donne-moi, je te demande euh, ton amour, l'amour des gens que tu aimes et l'amour des œuvres qui rapprochent ton amour et donc alhamdoulilah, l'on peut être avec des gens qui avec des savants uniquement parce qu'il les a aimés et en, disant, en se disant mais si j'avais la science qu'ils avaient et qu'ils qu avaient j'allais faire la même chose mais c'est le vrai amour je veux dire c'est pas de la philosophie et l'homme peut être avec des gens qui, dont la gauche ne sait pas ce que la droite a donné, parce que ils n'en ont pas, mais ils aiment ces gens-là qui donnent, qui dépensent pour Allah, parce qu'ils y croient, au jour du jugement dernier. Donc, encore une fois, c'est une question de cœur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter, donc, de ce qu'il nous a enseigné, notamment, donc, de cette sunnah qu'il a purifiée, qui fait partie des choses dont il a, dont il a promis la, la conservation, et effectivement, il l'a fait. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse toutes, toutes les, toutes les personnes de cette chaîne, cette chaîne d'or, qui descend du Prophète sallam jusqu'à au meilleur de chaque époque. De chaque époque. En tout cas, pour ces échanges, très très euh, Chers, beaucoup de personnes euh, sont contentes de te revoir euh, de retour et euh, espèrent que vous avez passé un bon hajj et que votre hajj soit accepté, inshallah. Et euh, Donc il n'y a pas trop, trop de questions euh, comme sur les précédentes questions. Je pense que le, le sujet est peut-être un peu technique, donc les, les gens n'ont pas forcément trop de questions sur, sur le sujet. Il y a pas mal de questions qui sont sur des choses qu'on a déjà traitées, notamment pour les ablutions. On a déjà fait plusieurs, plusieurs lives là-dessus, donc je vous invite une nouvelle fois à vous rendre sur la page la page YouTube sur de, de, de la mosquée, pardon. Euh, vous tapez Ablution mosquée Meraï, vous allez retrouver toute la toute la série. Shalla. Euh, et je pense qu'on va commencer par les appels. Déjà, il euh, y a déjà des appels en attente. inchallah. Allô. Salam, salam ah, J'avais une question. Vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, euh, je voulais savoir. Euh, J'avais vu, vu un thème ce matin, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez cité. Et j'aurais bien voulu que, que l'imam, si je peux dire ainsi, puisse me répondre. Et on disait euh, comment faire faire les innovateurs? Comment? Comment faire taire les innovateurs Comment faire taire les innovateurs Oui. Je ne sais pas si euh, la question euh, est destinée à l'Imam ou pas, mais puisque ça a un rapport directement avec la Sunna et c'est qu'on a dit donc l'innovation, la, la, il y a un certain nombre de choses qui se disent dessus, mais en fait l'innovation, ce n'est pas, pas Internet. Même si c'est une innovation technique, on appelle innovation, donc c'est qui, en matière de science, prétend se rapprocher d'Allah par une méthode qui n'est pas celle qui est légiférée. Donc, pour connaître, pour faire taire les innovateurs, justement, je pense que pour moi, c'est le thème vraiment de, 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 cette, de ce live. C'est le fait de connaître qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui a été révélé. Une innovation, c'est prétendre hein, se rapprocher ah, de -moi, Dieu. Ah excusez-moi, j'avais même pas vu le thème. Alors c'est vraiment ouais, d'accord. Voilà. Donc, une innovation, c'est le fait de vouloir se rapprocher d'Allah par autre que la que ce qui a été rapporté et purifié par Allah Subhanahu wa Taala de la sunna du prophète sallallahu. Donc, si on le prend comme ça, on ne peut pas lutter contre l'innovateur sans être, sans connaître la sunna et sans l'appliquer. Donc, en fait, ce n'est pas des, 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 des des livres et des livres qu'on écrit que les gens n'entendent pas. C'est avant tout être aussi euh, protégé par Allah et être en sa compagnie pour être euh, vraiment résistant, euh, pour être persévérant. Dans la voie qu'Allah a tracée et qu'il a préservée. Donc, le, tout, le, tout le thème, ou, en tout cas, tout, toute notre conviction, et est celle-là c'est que la seule façon, comme on a dit, la sunna disait, on fait dire à l'imam Malik, la sunna, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé, on sait que Noé elle, elle est resté 950 ans avec son peuple, et que euh, de ce peuple-là, Ibn Abbas, on lui fait dire qu'il n'y a que 80 familles pendant 950 années, 950 années qui ont été sauvés par Allah tout le reste a été détruit par le déluge donc il compare la sunna à ce, ce tarche de Noé c'est que celui qui, celui qui monte dans ce tarche dans, dans ce bateau entre guillemets est sauvé, celui qui ne monte pas il est perdu donc, là, effectivement, il faut connaître donc la somme de Prophète sallallahu l'appliquer en soi-même, c'est-à-dire aimer Allah, le connaître, aimer Allah, aimer les gens que Allah aime et également aimer les wow. actes donc Allah aime. Par conséquent, il faudrait le mettre en pratique et ne pas accepter tout ce que l'on peut trouver sur différents réseaux de, dont je ne veux pas faire la publicité des gens qui se prétendent le formateur en réalité qui sont qui sont égarés, qui égarent les autres, etc. Mais c'est une loi d'Allah. Allah a voulu ceci. Ça va se réaliser justement pour distinguer les gens qui sincèrement aiment Allah et que Allah aime puisqu'il les préserve, et par rapport à des prétentieux qui disent aimer l'islam et qui, au nom de l'islam, euh, se mettent à vendre, à vendre ce qui ne leur appartient pas. Mais Alhamdulillah, Allah a toujours fait amener des gens, dans chaque génération, Allah a amené, à, plutôt voulu, dans sa sagesse, dans sa miséricorde. Euh, élire des gens qui connaissent leur religion et qui la mettent en pratique et qui ne la vendent pas et qui sont euh, envers et contre tout qui s'inscrivent donc dans cette euh, dans cette logique qui est la seule qui vaille merci beaucoup fik, merci ça, je voulais vous demander ça. autre chose c'était possible vite fait c'est possible oui, oui. Allez, oui voilà. je question, voulais vous hein, demander je sais qu'elle a Merci. Je sais qu'Allah et c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Et j'avais une question pour une personne que je connais. Et je fais des Dora pour cette personne. Je voulais savoir, c'est un peu honte de vous poser cette question, mais je voulais savoir si Allah pardonnait l'association. Et je fais des Dora pour que cette personne pour qu'Allah guide et, guide et accorde la guider, la quitter à cette personne. Et je voulais, parce que je sais qu'Allah il guide et il guide, il guide et garde qui veut, et je voulais savoir si, si l'association, c'était, on m'a dit que c'était le seul péché qui n'était pas pardonné, et il y a un autre imam qui me disait tout oui. oui, donc du coup je me suis dit jamais 203, je vais vous, je, je vous pose la question à vous. Non, mais là si vous avez la réponse, je pense va pas la fin de poser la quatrième au quatrième imam que vous allez rencontrer. Euh, juste, je veux dire que c'est les gens c'est une vérité. Allah dit dans la surah des femmes, 4, verset 48, et il le dit également dans le verset 116. Allah ne pardonne pas qu'on l'associe quoi que ce soit en dehors de ça. Il pardonne à qui il veut. Donc Allah le dit. Ça fait partie des trois... C'est l'injustice la plus ignoble. C'est d'associer Allah alors que il Et c'est qui a tout créé sans oui, besoin. Voilà. Mais... Les gens le comprennent souvent en disant ben, il a été associateur et puis donc Allah ne va pas le pardonner. Non, Allah dit dans la Surah 39, verset, verset 53, rahim Ya Muhammad, vous qui vous êtes fait outrage tort, y compris le shirk, jamais ne désespérez la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le miséricordieux. Ça veut dire que quand Allah dit qu'il ne pardonne pas, c'est celui qui meurt dans l'état d'associé. Celui qui associe à ah, Allah, c'est celui qui meurt. Mais les compagnons du Prophète Sallallahu combien ont, ont, ont adoré l'Ata'iz Combien de, Combien ont adoré les idoles Mais Allah les a pardonnés, Allah les a choisis, Allah les a amenés au paradis. Donc Allah pardonne absolument tous les péchés, mais à condition de ne pas mourir en étant associateur. Exactement. Celui a qui a rend l'âme. Bah, il faut continuer à faire le doigt jusqu'à ce que la personne y a une, y rejoigne son Seigneur. D'accord, inshallah, d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir, barakallah fik. Barakallah fik, ça me Mais... uh, Karim, on a d'autres appels, inshallah. Allo, salam عليكم. Allô, salam عليكم. Vous êtes en direct S'il vous plaît, c'est juste, vous pouvez éteindre votre ordinateur ou ce que, le, le moyen oui, ça que vous y utilisez. j'ai oui. Pardon Ça y est, j'ai éteint. Très bien, vous, vous êtes en direct, là vous pouvez poser oui. votre question. Ça va, salam alaikum tout le monde. Oh, salam alaikum, cher, allez Comment allez-vous c'est un plaisir de vous revoir Allah, <laughs> wa Allah. alors euh, moi j'ai une question euh, concernant la prière euh, quand on fait des doigts et qu'on demande des choses à Allah j'ai certaines personnes qui me disent que quand on lève la main il ne faut pas essuyer le visage en disant Amin que apparemment ce serait de l'innovation donc euh, ça c'est c'est le chose qui m'intrigue et c'est une habitude que j'ai eue depuis toute petite. Oui. Donc euh, voilà j'aimerais savoir si euh, est-ce que c'est bien d'essuyer les visages après les invocations ou euh, ou pas. Alhamdulillah, bon, ce sont des choses qui se font, c'est des choses que l'on entend, que l'on lit déjà. Il y a un hadith dans, qui est discuté, si Mohammed pourra nous le confirmer, dans Omar ibn Khattab, radiallahu on lui fait dire que le Prophète sallallahu rarement lève les mains pour invoquer Allah sans l'essuyer sur le visage. Donc c'est pas le fait le, si le hadith, il est probablement discuté par les spécialistes du hadith que nous ne sommes pas. Donc c'est des les hadiths qui sont des fondements. Le fait de le dire n'est pas une innovation. Le fait de le faire n'est pas une innovation. Par contre, penser qu'il faut le faire systématiquement, ça, ça devient une innovation. Voilà. Le prophète Alessalam, on l'a vu lever les mains, pour ceux qui ne connaissent que très peu. Comme la confiture, ce euh, qui étale, voilà le peu qui connaissent. Non, le professeur n'a pas levé les mains, mais c'est fou. Il y a comme un hadith où le professeur a levé les mains au point qu'on voyait donc la couleur de ses aisselles. Quand on lève les mains, c'est qu'on est pauvre et on invoque Allah, on lève, on lève les mains et on demande à Allah, et Allah est pudique, et Allah ne, ne renvoie pas des mains qui sont vides. Donc mmh. c'est d'où l'incitation à lever les mains quand on est vraiment sincère, à implorer même Allah. Donc tout ceci fait partie de la sunna. Par contre, on ne l'a pas vu effectivement lever les mains quand il était sur le mimbar le vendredi en train de faire un prêche. Là, il levait juste le doigt, donc c'est ça la sunna. Mais celui qui le fait ne veut pas dire qu'il a fait une innovation puisqu'il ne savait pas. Une innovation, comme l'a dit la sœur tout à l'heure, une innovation c'est quelque chose que l'on fait exprès et on sait que le professeur ne l'a pas fait, mais on pense que c'est mieux pour nous rapprocher d'Allah. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qui sont des innovations, mais qui ne sont pas des innovateurs. Mmh. Parce que ce n'est pas eux qui l'ont inventé et ils ne savent pas non plus que c'est mauvais. C'est la raison pour laquelle on essaye de partager le peu de science qu'on a. Et donc le fait de ramener, de dessuser son visage, le hadith est discuté par les spécialistes du hadith, mais il ne faut pas le faire en tout cas tout le temps si on doit le faire. S'il y a des divergences dessus, on peut ne pas le faire, mais dans tous les cas, on ne peut pas appeler ça une innovation comme certains s'amusent à, à le dire. D'accord. Parce que moi, j'ai commencé à m'inquiéter parce que bon, j'ai appris comme ça, mes parents m'ont appris comme ça. Donc, quand j'ai fait de l'école coranique, j'ai appris comme ça et ça m'avait vraiment perturbé Alhamdoulilah, de toute façon, on apprend tous les jours. Hein. On apprend tous les mm. jours, euh, à commencer ouais. par nous-mêmes. Hein. Rien qu'en préparant ce live-là, on apprend, on apprend énormément de choses. C'est Allah qui nous enseigne. Donc, pas le fait que mes parents aient fait ça et que mm. finalement je découvre que ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au contraire, je remercie mes parents. Je remercie avant tout Allah, mais je remercie également mes parents de m'avoir appris ce que je ne savais pas. Maintenant, on prend de tout le monde, comme on a dit dans l'émission, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du Prophète sallam. Si on est sûr que le Prophète sallam ne l'a pas fait, dès qu'on le sait, on l'abandonne. Mais ça ne veut pas dire qu'on a régné son passé. Au contraire, au contraire, ça veut dire qu'on suit la vérité et c'est ce qui est demandé. Sinon, ça devient de l'orgueil. D'accord. Et euh, merci pour la réponse. Et j'ai une deuxième question. Alors la deuxième est que euh, mes frères et sœurs et moi avions cotisé pour que mon père puisse faire le rage Mais euh, bon, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, il a été rappelé. Et du coup, euh, il n'a pas pu le faire. Donc euh, nous, on nous a informé que l'argent euh, que nous avions eu, que nous avions cotisé, ne pouvait être dépensé pour autre chose que pour lui. Donc, du coup, nous, on s'est dit que soit on engage une personne qui puisse faire le rêche pour lui, qui s'y trouve déjà là-bas. Wow. Mais je voudrais savoir le montant que nous, on a cotisé, c'est le montant du, de, du voyage entre Paris et la Mecque. Et du coup, on nous a dit que si ça a été cotisé pour lui, toute cette somme est pour lui, et pour mon père, normalement. Donc, du coup, nous, euh, moi, j'ai un, un cousin qui se trouve au pays, euh, à la Mecque, pardon qui lui compte faire le pèlerinage d'une charnale l'année prochaine pour mon père. Mais l'argent reste. Euh, on devra donner à, à d'autres personnes, ou euh, la famille récupère l'argent, ou c'est considéré comme un, un dû. Je, je, on ne sait pas trop quoi faire en fait. Mais L'argent que vous aurez, vous aurez ce qu'il faudrait voir, c'est que Allah a décrété que votre père ne verra pas la Mecque. Et qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est qu'à tous les croyants décédés. Donc oui. ce n'est pas, pas un souci, entre guillemets. S'il a voulu le faire, vous avez voulu le faire, Allah a décrété autre chose. Mais on accepte le destin tel qu'il est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous l'avez si donné à votre père, ça devient un héritage à vous. Si vous ne l'avez pas donné à votre père et que oui, c'est à, voilà, si à son décès que vous l'avez fait, mieux vaut amener donc, votre vœu jusqu'au bout. Vous pouvez... Si ça, ça sert au pèlerinage au et à autre chose, vous pouvez faire le pèlerinage et vous pouvez dépenser le reste avec l'intention, soit pour creuser un puits, soit pour autre chose. Ce n'est pas forcément à votre cousin oui. euh, qui, va avoir, qui, qui va avoir le bénéfice, euh, le bénéfice de l'argent votre intention était de le dépenser pour le hajj, Allah a voulu que ce soit pour le hajj, plus autre chose cet argent là, je vous conseillerais très fortement d'en faire profiter soit un orphelinat, soit de creuser un puits soit de faire du bien avec, avec l'intention que ça profite à votre père, et ça lui profitera oui, ok j'ai compris merci, barakallah Mohamed, est-ce que tu pourrais répéter la question concernant notre petit jeu euh, avant d'enchaîner de sur notre appel, Inch'Allah euh, la, la question étant euh, quelle est la personnalité euh, musulmane parmi nos érudits, nos savants, qui était le premier à avoir compilé de façon large et de façon précise euh, la sunna du Prophète sous euh, l'égide ou la demande d'Amar de, euh, ibn Abdelaziz qu'Allah l'agrée et il fasse miséricorde Malcolm, juste pour peut peut-être montrer le, le, le numéro, euh, le, 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 pardon, livre. Le, le livre, oui, à, à gagner. Voilà. Ça peut peut-être inciter les frères et les sœurs à rappeler. Et euh, donc, on va enchaîner, Inch'Allah, sur un autre appel. Voilà. allô salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah. l'a merci pour les cours. Imam, je suis contente de ton retour, qu'Allah ouais. accepte ton Amen. hajj. Amen, barakallahou Je voudrais surtout tu à la question de la semaine dernière. Mm -hmm. Est-ce que ce serait l'imam al-Zuhri, anhu Oui, bah Allahou bah Allahouf. Allahouf. exactement. C'est exactement, c'est Ibn Shihab Zouhari, zuhri qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, qui est le premier, ce n'est pas le premier à avoir écrit, effectivement il y a eu des écrits des essais bien avant même à l'époque des sahaba mm. mais c'est le premier à avoir largement écrit la sunna du oui. prophète SASW c'est même Zuhri effectivement exactement du coup, euh, il y a le frère qui va le frère Karim euh, voilà c'est bon il a pris effectivement vous il va vous appeler pour vous envoyer le livre okay, inshallah en tout cas voilà pour pour cette pour cette bonne réponse pense que si vous aviez des oui. questions une question à côté ou c'était juste pour répondre à la, à, la, à la enfin répondre à la question pardon oui, c'était pour essayer de répondre à la question. Hamdoul. <laughs> Sur un conflit. C'est avec Parce que j'en profite juste <laughs> par rapport à ça, comme mm. tu l'as si bien précisé, l'Imam et Rahmatullah ta'ala, a fait ça. Et certains disent oui, mais le, le Coraniste, ou ceux qui mm. se prétendent, c'est ignorant, en train de dire oui, mais le Prophète a interdit d'écrire, etc. Ce sont des choses... Quand on ne sait pas, mieux vaut apprendre. Mm. Comme l'a dit le professeur, n'est-ce pas, que la, la, le remède de l'ignorance, c'est d'apprendre. Il a été établi de façon indiscutable par les voies de qui ont été bien vérifiés que entre autres abdallah bin amr bin asr ça va écrire et le professeur un jour il a dit euh, j'écris euh, je me permets d'écrire euh, parce qu'il savait écrire euh, quand tu es en colère comme quand tu quand tu es en, quand tu n'es pas en colère il a dit écris parce que même quand je suis en colère je ne dis que la vérité voilà, donc ce sont des choses qui ont été au début on sait que dans l'histoire eh, la sagesse disent les savants, c'est qu'on ne retient que le Coran, le Prophète a permis mm. des choses et Allah sait, subhanahu wa ta'ala, où mettre, où mettre le bien. Et donc, il a voulu que ce soit des choses qui ne soient ignorées que des gens qui sont ignorants. Mm. Avec Juste une petite remarque par rapport à ça, et ça fait peut-être partie de, de l'esprit un peu du cours, hein, quand, par rapport à la, la soeur qui a posé la question tout à l'heure euh, sur le fait de s'essuyer effectivement la main après le Doha, certains font. Tu as fait une très très bonne réponse, Barakallahou Fik, qu'Allah te récompense par le meilleur, je ne suis pas là pour juger effectivement ta réponse qui est excellente. Mais l'idée c'est de, c'est toujours vérifier effectivement avant de parler. Et, et chacun, Alhamdoulilah, tu as si bien dit, c'est pas parce que quelqu'un fait une innovation, déjà qu'il est innovateur. Et, et cet acte-là en soi, est-ce que c'est une nouvelle innovation ou pas Comme Alhamdoulilah, certains ulama comme tu as dit, et, et se basent sur un hadith, quelques hadiths, mais le plus important c'est celui d'Ibn Omar, que certains ont jugé Hassan comme Nuhazar Rahman Sallallahu Et ce hadith-là a été, été d'ailleurs rapporté par Al-Hakim, dans le Mustadrak, qu'on en a parlé tout à l'heure euh, pendant le cours. Du coup, ce n'est pas. C'est d'abord, regardez, même si le hadith -y est faible, d'Arif, eux, ils ont au moins une source, effectivement. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est une vraie, une vraie innovation. En fait, ça veut dire que tu te bases quand même sur une source. Cette source-là, peut-être que chez certains est forte et authentique, d'autres elle est faible. Mais tu ne peux pas forcément dire, tu peux être effectivement ne pas être d'accord avec cette, cette pratique, mais tu ne peux pas forcément réfuter, tu ne peux pas forcément pardon répliquer à ces personnes, ou plutôt être agressif vis-à-vis d'eux. Et on voit malheureusement de plus en plus, surtout les jeunes, malheureusement, ils lisent effectivement certains certaines fatwas, certains livres, et ils se permettent d'agresser les gens, ils se permettent de mettre en... en on doute la religiosité, la religion des autres par rapport à un avis, par rapport à quelque chose qu'ils ont lu, peut-être pas compris, peut-être compris à moitié. C'est pas ont parce même que entendu, ils n'ont même rien lu ». Exactement. Et qu'ils n'ont rien lu. Et dans l'autre sens, il faut que les autres aussi respectent, effectivement. Certains qui te voient, des fois tu ne lèves pas la main, ils te disent, mais Brice, ils ne lèvent pas la main après le, 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 la prière. Il ne suit pas, là, il, il suit pas son visage, il fait pas comme les autres, etc. Ça, ça devient aussi. Il faut pas être sectaire, ni d'un côté, ni d'un autre. Il faut pas être effectivement dans des extrêmes. Il faut respecter les autres, surtout quand, quand les gens, ils se basent sur la Sunnah du prophète. Ils n'ont pas fait ça par euh, effectivement euh, par passion. Ils n'ont pas, ils n'ont, pas inventé les choses. Du coup, faites très très attention là-dessus. Et c'est pour cette question-là et pour d'autres d'ailleurs, pour d'autres réponses comme ça. Soyez beaucoup plus, soyez bienveillants. Soyez compréhensifs, respectez les avis des autres et ne soyez pas dans une vision extré extrémiste, effectivement, euh, où vous allez plus rejeter les gens de la sunna que de les rapprocher. Tout à fait. Ouais. C'est une excellente, une excellente réaction et une attitude, je pense, à observer. C'est comme on dit, plus on est savant, plus on est tolérant. Tout à fait. C'est Parce que quand tu vois les gens qui sont les, les plus agressifs vis-à-vis -vis de leurs frères en particulier, mmh. c'est les plus ignorants. Parce que j'ai lu ça, j'ai entendu et c'est tout. On ne connaît que ça. Et comme je disais tout à l'heure pour la confiture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Voilà, on <laughs> ne connaît que ça. Là, il faut vraiment que tout le monde sache que ça, c'est une innovation. Pourquoi Parce que j'ai lu sur Internet, un tel savant a dit alors Et alors, et alors et on ne parle même pas d'innovation quand il y a des divergences entre des savants. J'ai des Trafaits. savants dignes de ce nom. Trafaits. Parce qu'ils ont, ont des preuves, comme tu dis. Ils ont des preuves, ils se basent sur des choses qui ne sont pas considérées comme authentiques pour d'autres, mais qu'eux, ils considèrent comme solides, etc. Donc, Trafaits ils se basent sur une chose. Et toi, tu ne te bases sur rien du tout. Trafaits. Donc, ça, je pense que c'est une très belle remarque. Si on ne retient que ça ce soir, je pense que c'est une très bonne chose. Amen. nous D'autres appels, Karim Voilà, on continue, Inch'Allah. Allo salam alaikum. salam. Vous êtes en direct. Inshallah. Bonjour. Euh, en fait, euh, j'ai des questions. La première, ça concerne la prière. Par exemple, ici, la prière c'est 23h50 et puis euh, certaines mosquées, il les décale à 23h30. Là où j'ai pris aussi, c'est 23h30. Est-ce que c'est autorisé de prier avant l'heure de Dohol ou bien et là, je ne comprends pas. Et la deuxième, c'est concernant la ch euh, le chapelet. Est-ce que c'est une innovation ou bien. C'est ça, mes deux questions. Alors, laisser si Mohamed Je Non, tu sais, les horaires de prière, c'est on en sourit, mais c'est une question malheureusement très très importante et vitale. Il n'y a pas de prière avant l'heure. Donc, euh, c'est une grande responsabilité que de désigner, que d'être imam ou d'être responsable mm. ou de prétendre, non, je fais des horaires, parce que devant Allah, si tu égares les gens, tu seras responsable. Y a pas, la prière n'est pas valable à l'unanimité des savants avant l'heure. Donc, bon, l'heure est définie par la position du soleil, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ce, dans ce détail-là. Aujourd'hui, on ne regarde plus le soleil on a d'autres moyens qui sont plus efficaces, plus précis d'ailleurs. Et Donc, il y a différentes façons de, de déterminer les horaires. Si effectivement on a des preuves, comme dit ici Mohamed, si on a des preuves que ce sont des choses qui sont justes, il n'y a, a pas de mal. Mais le problème, c'est que souvent on n'a pas de preuves souvent on suit ses passions. On suit ces j'ai entendu des gens en train de dire, il ne peut pas y avoir plus d'une heure entre le et les chats, par exemple. Pourquoi Parce que ça les arrange. Il ne peut pas y avoir. Comme si ils avaient fait, ils sortaient de je ne sais quelle école. Scientifiquement, c'est impossible. On ne peut pas affirmer ça. Ça dépend où on est. Bon, certains ont vécu, moi je sais que j'ai vu au moins six fois en Suède euh, ou au Danemark, ou euh, en hiver ou en été, euh, bon, c'est à 15 heures que le soleil se couche ou alors ça se couche pas du tout. Voilà. Donc on ne peut pas affirmer des choses que l'on ne connaît pas. Effectivement, il faut faire confiance à des horaires. Euh, il y a le, en gros, il y a trois, il y, a, il y a trois méthodes de calcul. Il y a la méthode de 18-19 degrés, il y a la méthode de 12 degrés, il y a la méthode de 15 degrés, donc qui est celle de l'ISNA, euh, Islamic Society of North, of North America. Et donc, les trois méthodes, je ne dis pas qu'elles sont pas bonnes, elles sont bonnes les trois méthodes. Maintenant, euh, quelle est la meilleure Ils ont fait de l'ishtihad. Mm. Les gens qui l'ont fait, ce ne sont pas des sots, ce ne sont pas des gens qui suivent leur passion. Simplement, en pratique. Euh, c les horaires peuvent très différer mais on ne peut pas surtout ce que je vois dans nos dans nos, dans nos mosquées c'est que on va suivre les horaires jusqu'à arriver à 11h à partir de 23h on dit que ce n'est plus supportable donc ça vraiment ça c'est suivre les passions que une mosquée moi je respecterais quelqu'un qui toute l'année prie à une certaine heure parce qu'il a des parce qu'il a des preuves mais non je prie jusqu'à jusqu'à 23h arrivé à 23h je décide pourquoi Parce que je suis mes que ça ne peut pas aller au-delà. Non, tu peux, mais tu n'as pas le droit de l'imposer à qui que ce soit. Et donc ces horaires-là, je ne vais pas faire de publicité, on suit, nous, une méthode, d'autres suivent d'autres méthodes, je les respecte, mais on n'a pas le droit de changer d'horaire parce que ça ne nous arrange pas, ou parce que c'est trop tard, ou parce que sur quelle base Au moins, on a des, des avis scientifiques, scientifiques, j'entends des avis de savants, qui craignent Allah. Et pour pouvoir les suivre. Et donc, euh, si tu vas dans une mosquée où on avance l'heure, où on le fait avant l'heure en tout cas qui est prescrite, alors que la mosquée suivait ces horaires-là, f... on prie avec eux, comme le disent les plus, sav... les plus sages d'entre nous, et on refait la prière parce que la prière n'est pas valable. Voilà. Donc, il faudrait, il faudrait prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous unir sur la vérité et on ne peut pas suivre parce que non, non, dans cette mosquée c'est comme ça, donc je vais faire comme ça. Il y a des preuves comme quoi on ne peut pas prier avant l'heure, donc il ne faut pas suivre n'importe quelle. À n'importe quel horaire qui change en fonction des passions de, des uns et des autres, quels qu'ils soient. Et, et là, en fait, moi, je suis à l'île de France, et là, je suis à Châtenay. La ouais. mosquée de Châtenay, c'est 23h30. Et puis, la mosquée de Clamart, à côté, c'est 49, un truc de 49, et encore plus 10 minutes Et là, les gens disent, les horaires, c'est les êtres humains qui... Euh, qui... Euh, qui, euh, qui prévoit ça, et puis du coup, il se euh, dire entre les prières de Marib Bisha, il n'y a pas... Oui, mais quand il rentre dans l'avion, je pense qu'il ne va pas discuter avec le pilote ni avec le commandant de bord. Hein. Mm -hmm. Non, les horaires, sont aussi, ah, okay. les horaires sont aussi précis que, euh, le, ah. le, le, que, que, que conduire un avion. Hein. Simplement, c'est pourquoi on prévoit que dans, dans combien de temps il y aura euh, le, de, que, que l'Aïd jour, etc. C'est des méthodes très très précises. Donc il ne faut pas, en matière de religion malheureusement, parce qu'on est ignorant, on suit nos passions en matière de religion, nous on se dit, non mais ce n'est pas grave, cinq minutes avant ce n'est pas grave, deux minutes avant ce n'est pas grave, alors que c'est grave. Les gens n'avaient pas ce problème-là parce qu'il n'y a pas de minutes. Mais une fois que l'on sait que ce n'est pas rentré, on n'a pas le droit de prier alors qu'on est convaincu que ce pas rentré, la prière n'est pas valable. Donc à partir de ce moment-là, si elle n'est pas valable, ça veut dire qu'elle n'est pas agréée. Et donc que les gens arrêtent de, de prendre l'islam comme, de, comme, de, comme, comme euh, je ne sais quoi l'autre, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas euh, suivre, être précis dans n'importe quel métier, dans l'islam, considérer ça comme ce n'est pas grave. Non, non, c'est grave si euh, je ne connais pas ces horaires de, de, de prière dans ces différents mosquées, si les gens se basent sur des choses qui sont établies, avec des preuves scientifiques, oui. Alhamdulillah. Mais on ne peut pas euh, dire que c'est à 5 minutes près, c'est pas à 5 minutes près, c'est pas à 10 minutes près. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Grave, ça, ça c'est extrêmement grave. Okay. Ça, c'est extrêmement grave. Car là, nous réforme et, et le... nous oriente vers le meilleur. Okay. Et là, du coup, euh, nous, on a prié avant. On a prié okay. Est-ce qu'on va répéter les prières passées ou bien... Le en priant, oui. en priant derrière, c'est-à-dire, fais tes recherches, vois la meilleure des méthodes et adopte celle ah. qui, où tu as le plus de preuves. Celle que tu as priée, qu'Allah les accepte. Tu vas pas refaire toutes tes prières parce qu'au moment où tu pries, quand tu pensais, tu étais convaincu que la prière est rentrée, elle est rentrée. Si, entre-temps, okay. tu, tu, tu te rends compte que là, ce n'est pas le cas, ben, tu changes. Le professeur Sallam, quand on a, Allah lui a révélé ce qu'il lui a révélé, alors qu'il qu priait vers Jérusalem, il a dit de tourner vers, 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 vers la Mecque, dans la même prière, il s'est retourné dans la Mecque. Voilà, donc ça, ça ce n'est pas un souci. Alhamdulillah, Allah sait que si tu savais que c'était à 23h45, tu refais à 23h45, tu l'as fait à 23h30, ce n'est pas des prières à refaire, Inch'Allah. Ok, d'accord. Merci. Merci. Ça m'arrive. appels Karim il avait une deuxième question Ah oui, pardon, la deuxième question, c'était sur le, le chapelet, en effet. Je t'appelais, non, tu t'es rappelé de la question. Je pensais, en fait, tout à l'heure, je pensais à la même chose, quand il, que je pensais à ça aussi, quand on parlait effectivement de la discussion sur le fait de s'essuyer le visage après les après le deux A. Et je pensais à ça aussi, effectivement, à la partie à la subha le les ulémas qu'effectivement, que effectivement on peut pas dire que c'est une innovation que c'est une bid'a parce que il y a certains sahaba effectivement ne faisaient pas avec la subhan en, on en, proprement en, en parler mais il faisait euh, comptait avec des avec des Caillou, petites ouais. noix ou des des, des cailloux avec Hassan ce qu'on ce qu'on rapporte de lui c'est qu'il effectivement il comptait avec ses doigts. et du coup le fait de dire que c'est une bid'a n'est pas n'est plutôt une comment dire il ne faut pas Traiter ces gens-là d'innovation, ni dire que c'est une bidar. L'avis, effectivement, le plus, le plus juste, c'est de dire que ceux qui en considèrent la soubha, comme a dit qui considèrent comme étant un symbole religieux, plutôt qu'un qu outil qui nous permette de faciliter une adoration. Comme celui qui va, par exemple, utiliser un tapis pour pouvoir prier parce que la, le sol est dur. Euh, c'est comment je facilite euh, le fait de de, de mettre effectivement euh, de mettre en application cette adoration là. il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à compter et qui par exemple veulent faire mille il a il C'est difficile parfois, surtout pour les personnes âgées. Du coup, c'est une, faci une, fac une facilité. Je pense que certains malades disent qu'il n'y a pas de mal là-dessus en utilisant dans ce sens-là. Le mieux, c'est de le délaisser. Parce que le Prophète ne l'a pas fait et le meilleur, le meilleur de, nos, effectivement, de, de nos modèles, c'est le Prophète. En revanche, ceux qui utilisent la Subha comme étant. Un une et euh, comment dire un symbole euh, d'une école ou un symbole de religiosité ou autre parce qu'on en voit certains ils, ils en mettent 50 autour du cou euh, et ils se même se transmettent par chaîne de transmission certaines subha ils te disent tu, tu prends parce que telle elle l'a touché il y a la baraka dedans du coup ça devient plutôt du comment on, on pourrait appeler ça de l'ouverture de, de ou de effectivement c'est faire des, des presque des idoles et ça c'est contraire à notre religion et parfois même, ça peut sortir à, à devenir même des amulettes hein, de protection. Certains qui considèrent qu'ils les mettent dans, dans leur maison parce que ça protège, etc. Dans la voiture pour que ça pour que ça brûle pas. Hein. Et que ça brûle pas exactement. Ça Tout ça, ça, ça effectivement, on peut considérer ça comme étant une innovation le fait de faire ça parce que ce n'est pas un symbole de notre religion, ce n'est pas une, c'est pas un objet sacré, ce n'est pas un objet euh, qu'il faut vénérer. Si le c'est un outil. Et si certains hamdoulah par difficulté l'utilisent. Euh, ça, effectivement, c'est surtout les personnes âgées. Et, et, et ce que je dis à nos soeurs et à nos frères, vous l'utilisez pas, alhamdulillah, c'est le mieux. Mais n'allez pas critiquer effectivement ceux, ceux, ceux qui le font et être dur avec eux et les traiter d'innovateurs. les ulama ne l'ont pas fait. Le ulama de confiance disent qu'effectivement on ne peut pas dire que c'est une bidah, une innovation, parce que nos sahaba ont utilisé des moyens comme la, 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 la sabha pour pouvoir compter l'essentiel c'est de de, de de le considérer comme un moyen euh, et non pas une fin en soi et de dire que la, de dire par exemple que ce que faisons effectivement pour que les invocations les pardon les évocations ne sont acceptées que quand je le fais avec la subha parce qu'il y en a pour, beaucoup ils ne le font pas s'ils n'ont pas ça. Et ça ça c'est plutôt grave de, de le faire euh, effectivement le tasbih, ça peut être fait à n'importe quel moment plutôt que de plutôt euh, plutôt que de ne le faire qu'avec l'utilisation de la subha. Non, ouais. Je pense que ça s'inscrit tout à fait dans cet esprit-là. Et euh, j'ai vu des gens en train de faire le tawaf. Ils n'arrivent pas jusqu'à 7. Oui. Ils se trompent. Ils se trompent oui, tout se tout trompe. Pourtant, ce n'est que 7. Pour toi, c'est facile, mais ça. pour eux, c'est compliqué. Ça, il est évident que là, c'est toléré. Tolérer, le processus a toujours fait avec les doigts. Oui. Les doigts vont témoigner pour toi. Et également, s'imposer euh, ce que Allah n'a pas imposé. Voilà mmh. mille fois que a et je ne sais quoi d'autre. Ce sont les gens qui qui ont inventé des choses sur la religion. Le professeur ne l'a jamais fait. Il n'a pas ordonné non plus de hadiths authentique. Tous mmh. ces hadiths, à ma connaissance, sont de maudits qui ont été mmh. inventés. Que tu veux te rapprocher d'Allah, que tu te rappelles Allah, mmh. que tu évoques Allah autant de fois que tu peux, c'est une très très bonne chose. Les meilleurs d'entre nous, c'est qui se rappellent le plus à Allah après que tu t'imposes mmh. des, des 10 000 fois ou 100 000 fois que tu mmh. as besoin de, 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 de chapelet, ce n'est certainement pas du tout une sunna. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une sunna. Et si tu te trompes, au lieu de faire 100 fois, tu as fait 99 fois, alhamdoulilah, il n'y a pas de mmh. souci. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir... Et on voit d'autres. Les 99, c'est quoi Ce n'est pas les 99 noms d'Allah. Je ne connais aucune source qui est pourtant dans beaucoup de chapelets pour ne pas dire dans tous les chapelets on trouve 99. Et on trouve 99 dans d'autres religions. Mmh. qui veulent dire autre chose. Donc, si c'est pour imiter qui que ce soit, là, ça devient interdit. Mmh. Il y a d'autres religions, que je ne citerai pas ici, qui utilisent des chapelets de 99. Euh, bon, si tu as un chapelet de moins de 33, tu vas avoir des soucis, parce qu'on va te dire que, moi, je n'ai pas vu des chapelets avec 10. Généralement, c'est 33, 33, 99. Mmh. Mais là, pourquoi ces chiffres-là Donc là, ça peut poser problème. Mais le fait de l'utiliser de, de pour te faciliter les choses, et je suis convaincu que moins tu utilises des chapelets, plus... Tu vas évoquer Allah. Parce que là, mmh. tu vas te contenter d'utiliser 99, bon, mais j'ai fait 100 fois, là, il a illallah. Mais mmh. si tu en faisais plus, ce serait mieux pour toi. Mmh. Mais ton attitude que mmh. je trouve salutaire et qui est très bien, c'est surtout de ne pas juger les gens, de se juger soi-même. Moi, quand je vois quelqu'un avec un chapelet, je me dis, mais j'aurais dû faire plus que lui. Et en train, au lieu de te dire, ben, voilà un innovateur. Il appartient mmh. à tel secteur, il appartient à... Allah ne t'a pas, pour, pour pas envoyé pour être un juge. Il ne t'a pas envoyé pour être un juge. Quand tu vois quelqu'un qui s'est une émulation, que tu dis tiens Mohamed il est en train de, subhanallah, moi je suis en train de parler, alors qu'il est en train de faire du zikr, donc ça, ça doit me rappeler quoi que je dois moins parler et que je dois faire plus de mm -hmm. ça, C'est ça l'expérience. Et pas en train de le juger, et regarde comment il s'habille, regarde comment il fait. Non, mm -hmm. je remercie Allah au moins de ne m'avoir pas éprouvé par ce par quoi il, 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 a, il a été éprouvé lui. Je pense qu'il faut vraiment regarder l'autre au travers de, 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 du prisme. Dans de l'islam, c'est-à-dire l'islam veut que tu veuilles du bien à ton frère, mmh. pour ton frère, que tu le conseilles et pas que tu sois là dans la critique dans la, dans, dans, dans la mauvaise opinion de ton frère. Bien que, encore une fois, comme tu l'as précisé, mmh. le chapelet, on n'a pas vu le professeur Salam en train d'étudier un chapelet et euh, il a conseillé, lui-même le faisait avec ses doigts. Donc, celui qui peut le faire, c'est bien mieux que d'aller utiliser d'autres mmh. moyens. Par contre, on ne peut pas dire que c'est interdit comme effectivement nous, nous avons tendance à le faire. Pour rester sur la, la, la question de, de, de l'innovation, une question sur Instagram. Euh, Est-ce que de faire le fait de faire des dhikr, des noms d'Allah, entre parenthèses, un en nombre donné, est une innovation le... Invoquer Allah quand tu le sens, ya hayou le professeur le faisait. Mais le fait de celui qui invoque Allah 33 fois ou, ou 2412 fois, ça c'est clair que c'est une innovation il y a beaucoup de... Celui qui, fait, celui qui veut avoir un, un mari pieux, eh qu'il fasse euh, 212 fois. Et tout, si tous les soirs tu fasses ce doigt-là, etc., ça c'est l'indice mm. le plus palpable de l'innovation. C'est que ce sont des choses qui ont été inventées. Tu ne trouveras pas de source. Celui qui fait ça, il aura ça. Mm. Celui qui On est trop administratif avec Allah. Si Allah t'inspire, comme on le fait dire à Amar Khattab, je ne me soucie pas de savoir si Allah va accepter mon invocation ou pas. Je me soucie plutôt du fait qu'il me l'ait inspiré. Donc si sincèrement tu demandes à Allah ce que tu demandes, il a promis de te répondre. Voilà. Après, pourquoi aller chercher 12 fois, 13 fois, 17 fois, 214 fois, ceci et cela, sans aucune preuve Là, là ça devient de l'innovation. Que tu l'as fait une fois, mille fois, mm. tu as demandé à Allah parce que ton cœur était ouvert, parce que tu, 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 tu pleurais, parce que tu le sentais, mm. y a pas de, on ne peut pas parler d'innovation. C'est ce que aussi les ignorants disent, ça c'est une innovation. Le fait de le faire une fois parce que tu as été inspiré par là oui. n'est pas une innovation. Par contre, le fait de le faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mohamed, celui qui fait ça 99 fois, pourquoi Ah parce que euh, le professeur Allah a dit, Allah 99, non. Celui qui l a dit, est l'a dit, c'est jusqu'à la fait du hadith, Voilà. À partir de là, le donc est de trop, comme je dis souvent. On n'a pas le droit de dire donc. Dans la région, c'est au Allah, il a dit, le messager, il a dit, on s'arrête là. C'est pas parce qu'il a dit ça que je vais faire autre chose que ce qu'il a dit. Donc, le fait de dire qu'un certain nombre de fois, celui qui fait ça, sauf si tu as une preuve. Tu une preuve que le Prophète a dit qu'il fallait faire, subhanallah, alhamdulillah, 33 fois. Alhamdulillah, tu le fais 33 fois. Voilà. Mais si là il a dit 33 fois, toi tu le fais 1000 fois, c'est une innovation. Je veux dire après chaque prière. Celui qui après chaque prière dit 33 fois, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, et fini la centième fois en dire, la ilaha illallah wa sharika sharikala, le hadith est connu. Ne va pas dire, non mais il a dit ça, mais moi je peux faire deux fois plus. Là c'est mm -hmm. une innovation. Là on désobéit à Allah en désobéissant au prophète sallallahu الله mais après, le mieux, il va Amen, zikran kathira, dit Allah, ou vous les croyants, rappelez-vous, évoquez Allah beaucoup de fois. Voilà. Mm -hmm. et il n'y a pas de nombre dans ça. Surtout pas en disant tel nom que je veux coupler avec tel autre, etc., comme certains le font. Non, ça, ce sont euh, c les fa'ida, comme aiment bien le dire mm -hmm. certains de nos frères euh, de l'Afrique de, 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 de l'Ouest. Et quand l'imam ou le prêcheur est réputé parce qu'il va dire Bon, moi, je vais vous dire un secret, tu sais c'est-à-dire, Faïda, c'est quelque chose qu'on rajoute. Je veux dire, ah, celui-là, il donne beaucoup de faïda. Mais là, en général, plus on donne de faïda, plus on est à côté de la plaque. Non, 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 en général, c'est comme ça. Ils finissent leur discours en disant Moi, je vous dis ce que personne ne va vous dire. Depuis quand il est devenu un prophète Le prophète a dit que tous les prophètes ont parlé de, 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 de l'antéchrist. Mais moi, je vais vous dire ce qu'aucun prophète n'a annoncé avant moi c'est qu'il est borgne. Et votre Seigneur n'est pas borgne. Là, il peut nous dire ce qu'Allah lui a. Mais non, c'est un secret que je vais vous dire. Comme s'il y a de l'islam secret, il y a de l'islam public. Ça, il ne faut pas les écouter. Celui qui te dit ça, c'est un charlatan. Le processus de la mémoire, en nous ayant laissé, ce qu'Allah a voulu que tout le monde sache. Il n'y a pas de secret qui a dû dire à Aïcha à dire de ne pas le dire aux autres. Ou à telle personne de ne pas le dire aux autres. Ça, c'est de l'arnaque. Voilà, c'est de l'arnaque. Euh, Karim, est-ce d'autres appels Allez, on prend un autre. Allô, salam Oui, salam alaykoum. salam. Vous êtes en direct. Vous m'entendez Très, très bien. Oui. Ah, d'accord. Euh, salam alaikum. Uh, salam. Sh 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 Imam et Mohamed, j'ai deux questions, euh, s'il vous plaît. Euh, la première est, euh, est pourquoi n'a-t-on pas le droit de faire une sieste entre la et le oh. Il y a un hadith euh, qui, qui... Qui le stipule. Et la deuxième, est-ce qu'on a le droit, ne connaissant pas le, le, le Coran en entier, est-ce qu'on a le droit pendant la prière de dire trois fois surat el Ehlas euh, en, en, en ayant la récompense de dire trois fois, en ayant la récompense pendant de de, de réciter le, le Coran en entier. Voilà. <laughs> Vas-y, vas-y, Cheikh Soudal. Je commence par la la deuxième question. Je suis C'est une sunna, même de le réciter dans le, dans le vitre, comme on le sait. Donc, on peut réciter plusieurs surates. Moi, je ne le ferai pas la même surat dans la même, dans la même, dans la, dans la même prière, mais on ne peut pas l'interdire. Le professeur Salam a déjà étudié notamment les versets 190 euh, et suivants de la sourate Ali Imran. Il n'a fait sur euh, jusqu'à jusqu jusqu et jusqu'au ah. Il est venu le trouver, il a répété, 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 répété. Donc c'est possible. Mais en faire pour avoir cette récompense-là, je ne le ferai pas. C'est parce qu'il avait été inspiré. Voilà. Il a été inspiré. S'il y a un verset qui te, qui, te prend, qui te tient à cœur et que tu le répètes parce que tu te sens vraiment bien ou tu te sens mal, peu importe, l'essentiel, tu te sens vraiment sincère, il n'y a pas de mal, ce n'est pas, pas une bida. Par contre, le faire tous les soirs pour avoir la récompense de ceci, cela, tu adores Allah par une autre méthode que le Prophète nous a enseignée qui ne nous a pas enseigné plus tôt. Voilà. Donc si tu as envie d'avoir trois fois, d'avoir plutôt la récompense de la, de, 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 de la lecture du Coran, il a dit, est-ce que l'un d'entre vous sera incapable de lire le tiers du Coran Ils ont dit, mais personne. Personne parmi nous ne, ne pourrait le faire. Il a dit c'est le tiers du Coran. Donc moi je te conseille euh, le, le temps de t'habiller, le temps de tu assises, le temps de faire ceci, cela, ou entre deux SMS, de dire ahad", trois fois. Ça c'est possible. Mm -hmm. Mais dans la prière en tant que telle, je le te déconseille. Sauf exceptionnellement, ah voilà. Allah La première question, je me rappelle plus. C'était quoi la première est question? Qu Est-ce qu'on a le droit de. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de faire ah. la sieste entre l'asr et le marabout? Ah. Est-ce qu'il y a un hadith qui le stipule? Alors la sieste après l'asr euh, à ma connaissance, aucun hadith authentique n'a été rapporté ni ni pour le comment dire, pour y inciter ni pour l'interdire. Certains ulamas, effectivement, on le voit dans les livres de fiqh, euh, que le faire la sieste entre l'asr et le maghreb est euh, détestable et maquereau. Ils se barrent effectivement sur un hadith euh, du prophète, mais ce hadith-là est faible, voire euh, même... Euh, il avait cité dans le Maudouat, il avait dit que c'était un, un hadith qui, était, euh, qui, qui est mensonger. Euh, mais certains disent que seulement il est, il est faible, très faible. hadith, je, je me rappelle plus de, du texte. Il me semblait que c'était celui. Ah oui, celui qui fait la sieste après la et que son, et son sa raison euh, lui a été volée, qui ne, ne le reproche qu'à qu lui-même. Effectivement. C'est parce qu'a priori, quand on fait la sieste après, on peut être touché par le shaitan, etc. Du coup, il faut savoir, à ma connaissance même, c'est l'avis d'une grande partie de l'ulama, il euh, n'y a pas de hadith effectivement dans ce sens-là. on peut faire la sieste, à mon sens, il faut juste ne, pas, ne pas, rater le, pas rater sa prière et trop dormir jusqu'à ce que, effectivement, <laughs> la prière. <ahn> <speeding Mater duplicate> Passe, mais mais Alhamdoulilah, ça c'est ce que je sais, je ne sais pas Cheikh si tu avais... Si non, tu avais non, c'est exactement, il n'y en a pas, simplement je pense à la pratique qui veut que... Euh, le et le maghreb, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la vie et de dormir, voilà. Donc euh, comme euh, on nous l'a appris, euh, quand on a 60 ans, on a dormi pendant 20 ans. Mm -hmm. Mais quand on est fatigué, il n'y a vraiment aucun mal à le faire. On vient d'un voyage où on a fait un travail, on est fatigué... Oui, voilà, puis, voilà. Quand, surtout quand on revient bah, d'un voyage où euh... on est peut, très long... On peut le faire, simplement il ne faut pas prendre l'habitude... Parce que la dernière partie de la journée est la meilleure partie, notamment mm. le vendredi par exemple. Tout à fait. Et quand Allah euh, nous a donné le cadre, c'est le, le dernier tiers de, mm. de, du ramadan, euh, etc., etc. Donc euh, les dix meilleures nuits, c'est le dix meilleurs jours, plutôt c'est dans le dernier mois. Donc la dernière partie, c'est là où le commerçant va chercher à faire des bénéfices. Donc, euh, c'est mieux vaut, euh, sa télé également, on dit que quand on fait la sieste après le, mais ça, c'est les, les paroles humaines, mm -hmm. hein? quand on fait la sieste après le, le asra, on a du mal à dormir à, mm -hmm. à dormir la nuit, bon, parce que c'est trop court entre tout les tout deux. Fait. Voilà, donc c'est plutôt pratique qu'autre chose. Mais le l'affirmer, vous faites bien de poser la question, parce que malheureusement, on l'entend souvent. Et puis, effectivement, le hadith, il est pour le moins discutable. Très bien. Bah, que là, à vous merci. deux, merci beaucoup. Très bonne, très bonne fin de, de soirée. soir. On prend un dernier appel, Inch'Allah, Karim. Allo, Salaam alaikum. Oui, à vous. Oui, Salaam alaikum. Vous êtes ligne Oui, Aline, Salaam. Du coup, je voulais poser une question euh, sur le live, mon Allez-y, vous écoute. Ah, euh, Salaam alaikum, chère. Aline, salam, wa tout euh, bah, tout d'abord, quand Allah accepte ton hajj, insha'Allah. Euh, en fait, je me permettais pas de, de poser cette question-là, parce qu'en fait, tu étais au hajj à ce moment-là, et je, il me semble que j'ai du retard en fait, au niveau de zakat, quand on donne pendant l'ashura. En fait, on a arrêté zakat pendant l'ashura, et en fait, je ne l'ai pas arrêté, parce qu'en fait, je m'avais dit de te poser la question à ton retour de hajj. Et je voulais savoir jusqu'à jusqu quand j'avais pour la sortir. Allah ne fait que le meilleur. Le, on va rentrer chez Allah euh, probablement mercredi au, en 1445. Donc ça, ça va être la nouvelle année et c'est il est le dix jours après, donc, qu'on doit, je, il est conseillé de jeûner pour, euh, donc, Ashura, justement. Ashura, c'est le 10 Muharram, mm -hmm. qui va être, donc, Allah, on est le 27, je crois, euh, donc, de l'Hijjah. Il ne reste que deux jours ou trois jours pour entrer dans la nouvelle année. Il n'y a pas, comme Mohamed l'a expliqué quand on a fait des émissions en live sur la zakat, que les gens appellent Ashura. Fait. Ashura, c'est pas la zakat, hein. On appelle ashura parce que oui. on peut pr pr prélever un dixième. Là, c'est 2,5 de ce qu'on a économisé pendant un an. Si ça atteint ou dépasse plutôt le nisab, qui est le seuil. Donc, si pendant c'est pendant le mois de Ramadan que vous avez eu pour Mohammad et la vie majoritaire, 470 euros d'économiser. Pour d'autres savants, c'est plutôt 4500, 4700 euros d'économiser. Si vous avez eu ça au mois de Ramadan ou de, au mois de Shaban ou au mois d'autre chose, c'est à partir de ce moment-là vous attendez, ce n'est pas forcément au niveau du mois à venir. Voilà. Donc ce n'est pas la fin de l'année, comme ça va être dans deux jours, qu'il faut sortir la zakat. La zakat, ça deux conditions essentiellement. C'est le haul, donc un an. Un an lunaire et également donc le Nissab qui est le seuil imposable. Ça, on en a déjà parlé, Alhamdulillah, je pense que les choses sont claires. De, ces éco de cette économie-là, on prend 2,5%, un quarantième qu'on doit sortir. On ne doit pas attendre, sauf exception, on ne doit pas attendre le retour de l'imam de Dijah, on ne doit pas attendre non plus autre chose dès que l'on peut, parce que c'est le droit du pauvre. Dès que l'on peut, on doit le sortir. Voilà, donc ce n'est pas forcément là, ce pas forcément le mois à venir. Et regardez quand est-ce que vous le sortiez d'habitude. Et si vous avez toujours eu au-dessus du Nissab, mm. Alhamdulillah, vous le sortez dès que vous pouvez, Inch'Allah. Et puis au besoin, Inch'Allah, on pourra vous aider. Vous, mm. vous envoyer, Inch'Allah, comme le dirait Mohamed Adda, euh, sur les différents supports euh, Instagram, Messenger, <laughs> WhatsApp. Et les mails, vous pouvez envoyer des mails, des mails personnels que l'on pourra partager. Inch'Allah, on vous répondra. D'accord, et après, dernière question, est-ce que justement je peux la donner à une personne qui ne vit pas en France et une, notamment une famille qui est dans le besoin à l'étranger Ça, c'est une question qu'on a également traitée, notamment sur Mohamed. La, major, la vie majoritaire des savants, c'est qu'à partir du hadith de, euh, du professeur, donc, mm. quand il a envoyé Moad au Yémen, ouais, ouais. et la troisième, la troisième, le troisième ordre qu'il lui a donné, que tu leur dises qu'Allah a imposé, un impo, a imposé donc, à leurs riches pour leurs pauvres. Donc, l'avis majoritaire, c'est de le faire ici, là où tu vis. Mmh. Là où tu vis, donc, c'est le donner. Si tu ne trouves pas effectivement de nécessiteux, pas parce qu'il y a un oncle ou mmh. bled, etc., à ce moment-là, tu peux rechercher de plus en plus proche et ça peut arriver donc jusqu'en Algérie euh, mmh. ou aux Oasislandes, etc. Mais l'avis majoritaire, c'est ce que je te conseille, c'est vraiment de le mmh. donner donc sur place, si tu peux. Et si tu ne connais personne, confie-le à des gens de confiance, à une, à une mosquée ou autre chose, pour qu'ils trouvent des gens qui sont nécessiteux. Et au moins, tu auras fait ton devoir. C'est ce que je te conseille. D'accord. Merci en tout cas, Allah est vérifié. Allah est Excellent. On va arrêter, Inch'Allah, pour les appels. Si vous voulez bien, en tout cas, pour tous ces enseignements. Il y a effectivement pas mal de questions qui reviennent sur des sujets qu'on a déjà traités, que ce soit bon, la zaquette, sur le mariage, sur le divorce, sur, sur aussi le, le crédit. Une nouvelle fois, je vous invite à, à aller visiter notre chaîne YouTube pour retrouver toutes ces séries qu'on a déjà traitées. Et peut-être on les retraitera euh, prochainement, mais enfin, mmh. prochainement, quand je dis prochainement, peut-être les années à venir, Inch'Allah. Euh, Baraklaoufik, comme en tout cas d'avoir été encore nombreux ce soir à nous suivre. Euh, cher Mohamed, je vous laisse euh, comme d'habitude le dernier mot, Inch'Allah. Euh, Baraklaoufik, Mohamed, euh, Jazaklaouf, rien de cher, bah, de, de ta, tes apports. Euh, Qu'Allah te récompense par le meilleur et te facilite. J'espère euh, demander à Allah qu'il qu euh, qu accepte de nous. Alhamdulillah, ouais. euh, toutes tout nos œuvres et en particulier cette série de lives qu'on a voulu consacrer à la Sunnah du prophète bien-aimé, ce, celui qu'on doit aimer plus que nos, nos propres pères euh, nos propres parents, nos propres enfants, qu'Allah euh, on fasse une preuve pour nous au jour du jugement ouais. dernier. Et que ce soit une preuve d'amour pour le Prophète. Et comme tu as si bien dit tout à l'heure et cité le hadith du Prophète, on espère qu'Allah nous fasse entrer au paradis, nous fasse accompagner de celui qu'on aime, c'est le Prophète. Et Barakallah, au de votre attention, et ce, ce effectivement, cette série de live était un moment pour accorder à la sunnah du Prophète. C'est un sujet. On appellerait technique et j'appellerai pas technique parce qu'on n'est pas vraiment rentré beaucoup dans la technique surtout euh, surtout des généralités mais c'est important de, de temps en temps de s'intéresser à d'autres choses à être un peu plus curieux que des sujets habituels qu'on voit et qu'on revoit effectivement sur les réseaux sociaux c'est d'un petit peu apporter de la diversité sans pour autant être euh, ce qu'on qu appellerait de la technicité tout le temps. là, mais on ne va pas faire ça tous les jours, on ne va pas faire ça par exemple toutes les semaines. Mais de temps en temps, la sortir, amener des, une autre, un autre angle, une autre, un autre point de vue, une autre façon de voir notre religion et, et de rapprocher en tout cas la science religieuse au, au, au commun, effectivement, à nous tous et aux frères et aux sœurs qui nous, qui nous suivent. Qu'Allah nous fasse profiter. De, 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 la, de la science bénéfique et qui nous accorde de la sincérité dans les paroles et dans les actes. Et je laisse euh, la parole, à Sheikh, qu'Allah le récompense par le meilleur. Si Mohamed, Mohamed Adda et, et Karim, à, et à tous les auditeurs et toutes les auditrices, surtout, qui nous font confiance. Moi, comme je dis, ça n'a pas de prix. et Donc, Allah nous en fasse profiter et que ce soit un témoin pour nous. Et je pense que cette série, comme tu l'as précisé, c'est le dernier épisode, c'est ce que Allah a décrété. C'est le dernier épisode, allah. mais je pense que ce qu'il faut vraiment voir au travers de ça, c'est cette perfection de la région d'Allah. Et donc la région, ce n'est pas que de l'administratif, ce n'est pas qu'il n'y a pas de hasard. Allah a recruté qui il a voulu sur les meilleurs d'entre nous, les meilleurs de la, de la génération. Elle est les meilleurs de nos générations, c'est les meilleurs des générations, j'ai lu hier, pas plus tard qu'hier, c'est le meilleur des hommes après les prophètes. Le Professeur m'a dit, dans un hadith qui a été authentifié, mes compagnons sont les meilleurs après les prophètes. Mm. Donc que Allah ait choisi les meilleurs pour transmettre sa religion, il n'en a pas besoin bien sûr. Et donc ça je pense qu'il faut vraiment les aimer. Il faut les aimer, il faut prier pour eux, qui aiment prier pour eux, parce que sans eux, bien sûr, Allah n'a besoin de rien, mais sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Il faut prier pour nos savants, ne pas rentrer dans les polémiques, et il faut apprendre sa religion. Et ils ont appris leur religion et je, je, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder le peu de temps qui nous reste avant la fin du monde, entre guillemets, donc un séjour merveilleux. Ils ont profité de leur temps, il faut que chacun d'entre nous aussi profite de son temps et qu'Allah nous le compte donc comme... Euh, une œuvre qui nous nous rapprochera de lui et qui nous fasse aimer les gens qu'il aime et qui nous fasse aimer les œuvres qui rapprochent donc de son amour. Et à remercier encore une fois donc toutes les sœurs et tous les frères et l'équipe qu'on appelle technique mais en fait qui est le cœur donc de cette de ce live-là avec nous avec laquelle nous passons un excellent moment. Barakallahu fik. petite petite parenthèse. Karim il m'avait envoyé un petit message effectivement certains certains frères et certaines sœurs qu'Allah les les réformes, surtout peut-être un phare qui critique les, les savants. Euh, je dis qu'effectivement, c'est au travers de ces cours, plus on est savant, plus que tu as dit, plus on, on étudie la science, plus on est bienveillant vis-à-vis -vis des autres et bienveillant vis-à-vis -vis des savants. Parce qu'effectivement, voir toujours le, le verre à moitié vide, ce n'est pas le bon comportement. Il faut voir qu'est-ce qu'ils ont apporté ces, ces, ces savants. Et pas être tout, toujours dans la critique. Et malheureusement, ce syndrome de la, de la feuille blanche, effectivement, tu vois toute la feuille blanche et tu ne vois que le petit, le, le petit point noir au milieu, alors que la feuille est blanche à 99%. Du coup, il ne faut pas être de cette, de cette catégorie-là. Et surtout, leur, euh, les honorer. Ces savants qu'Allah a honorés par, par la science, les respecter leur faire des do'as, invoquer Allah pour eux qu'ils les récompensent par le meilleur pour ce qu'ils nous ont apporté, même si peut-être ils se sont trompés. Et qui ne se trompe pas. Sur cette terre, on est tous des humains. On n'est pas, euh, pas infaillible Tout le monde est faillible. Qui ne se trompe pas Et tout le monde, effectivement, a peut-être des, des, des erreurs. Enfin, des erreurs qui peuvent qui, qui, qui ont peut-être entaché euh, c grave ou pas, effectivement, mais ça nous empêche pas. En tant que musulmans, en tant que frères de les aimer, et à minima invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah leur pardonne leurs péchés, et qu'il les réforme et qu'il les facilite. Ça, c'est la bonne attitude à avoir, et non pas les critiquer sous, euh, parfois, les raisons que certains avancent, effectivement. Il faut faire attention, il faut répliquer, il faut ceci, cela, il faut montrer le vrai visage des personnes. C est, c est, ce n'est pas, pas comme ça, euh, ça qu'on qu qu aborde les choses vis-à-vis -vis de personnes, parfois, qui ont euh, sacrifier toute leur vie pour la science que les ont sacrifié toute leur vie pour Allah subhanahu wa qui connaissent beaucoup plus que ce que tu connais effectivement qui ont, qui, qui ont débuté la science depuis, depuis leur jeune âge et qui continuent à demander à, à, à étudier la science à côté de effectivement de quelqu'un qui va venir se permettre de, 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 de les critiquer alors qu'effectivement il, ils ne connaissent même pas juste Amma parfois Allah nous, nous, nous préserve et je demande à ces frères-là, et c'est sincèrement que je leur dis faites très très attention, ne mangez pas la chair de vos frères, surtout les ulamas, surtout les savants, parce que c'est extrêmement grave que de faire ça, c'est de toucher à la religion elle-même et de saper les fondements de la religion. Et, 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 et ça c'est ça, ça, très très grave, qu'Allah nous réforme tous, c'est un conseil que je vous donne à tous. Et Abdullah c'est avec l'âge qu'on s'en rend compte, c'est avec l'âge qu'on prend un peu plus de recul. Quand on est jeune, on est effectivement dans la, dans la défiance, plutôt dans la critique. Et on a l'impression de combattre effectivement, d'avoir une mission, mais cette mission-là, je pense pour moi, n'est pas c'est une mission plutôt destructrice et, et qui amène à la divergence plutôt qu'à l'unité, à l'amour, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous, qui nous rapprochent, beaucoup de choses qui nous unissent en tant que musulmans, que peut-être quelques quelques détails qui nous désunissent qui sont importants je ne dis pas le contraire mais ce n'est pas une raison pour détester son frère et, et de ne plus lui parler de ne plus lui passer le salam et de le traiter d'innovateur de, 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 de etc etc et, et ne plus même plus vouloir prier à côté de lui et ça c'est extrêmement grave et c'est pas c'est pas dans ce sens là que le, la, notre religion notre par notre religion parfaite veut nous mener elle veut nous mener à l'union elle veut nous mener à l'amour et pas à la divergence à la détestation et c'est pas comme ça qu'on fait la da'wa et tu c'est bien dit c'est pas comme ça qu'on appelle Allah subhanahu wa c'est pas par la pas par la, la haine et la détestation qu'on le fait